Bonjour, s'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour mes élites, bonjour mes soeurs, bonjour mes frères. C'est l'affaire qu'on parle aussi. Ça, ça s'avère que c'est vrai. C'est que franchement, non. J'ai parlé l'affaire si, si, là, non. Je vous ai tout dit. C'est l'organisation des vieilles mères, hein, de mon âge ici. Si. Ne voyez pas comme je vous ai dit que j'utilise Nido, que je suis comme je suis là. Mais on a l'âge. L'âge pèse, même. Bonjour, mon bébé Ariel. Partagez le direct. Je vais seulement voir sur vos noms là que ça a partagé. Partagez le direct jusqu'à ce que ça parte là où ça a commencé. Parce que ça a commencé là-bas chez Lolo. Et la personne qui a causé ça, c'est la femme que vous appelez. Vous l'appelez comment euh, Chopin. Que j'avais bien dit qu'elle est partie sur le plateau télévisé. Parce que moi, je, je n'ai même pas écouté. Mais vraiment, vous écoutez parfois pour moi. Hein elle est partie sur le bonjour Odile Mireille, bonjour ma chérie. Elle est partie sur le plateau télé des sans-papiers de quelqu'un qui a un, un an, qui a raté sa vie en Europe. Donc elle a raté, le loi a raté sa vie en Europe du début jusqu'à la fin. Les questions dans une télé. Pardon, partagez d'abord le direct. Partagez un peu, pardon. Je sais que je ne suis pas sur la page, mais partageons. Même sur ça, c'est toujours beaucoup. Même si c'est deux personnes, c'est beaucoup. Partageons. Il faut qu'on arrête la haine là. Il faut qu'on arrête les guerres sans merci, sans, sans profit même. Donc il n'y a pas de profit dans le genre de. Bonjour, bonjour, oh, ma mamie Cynthia, bonjour, ma chérie. Et Partagez le direct, je vous en prie, mes élites. Vous êtes mes élites. Aujourd'hui, là, je vous appelle les élites. Parce qu'on appelle les gens élites. Vous devez respecter le fait qu'on vous appelle des élites. Donc vous devez vous comporter dès aujourd'hui sur la toile comme des élites. Les trucs de que Tim Machine est monté, Tim et ça. Donnez-vous des vrais noms qui sont convenables à vous. Parce que vous savez, j'ai toujours dit ici que le fait que. Vous soyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que ce sont les réseaux sociaux. On se tache, on où on, c'est on, on se tâche On se tachète du mauvais karma sur les réseaux sociaux. Parce que vous voyez là, les gens comme les nous comme ça, merci ma chérie, ma chérie Doro. Je vois sur ton truc que tu as vraiment partagé. Pardon, s'il vous plaît. Mes élites à moi, mes élites, partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. C'est-à-dire, partager le direct. Roche, Ariel, ma fille, je ne vois pas le signe de partage sur toi. Partage-moi bien, bien ça. Partagez. 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 Moi-même, j'ai aussi vu comme vous. Vous voyez que je suis même encore couché. J'étais en train de profiter un peu, même poser mon corps, mon corps avec mes yeux qui me font. Ça pique, ça pique le sommeil. Il faut dormir. Hey, je dis, hein. Ce pas hier, hier, ici, là, que vous avez pris même mes vidéos, certains ont même caricaturé ça. Mais quand on doit parler, il faut quand même des personnes neutres dans ces bêtises-là que les femmes-là fabriquent tous les jours. là Il faut quelqu'un de neutre pour venir quand même dire que non, mais c'est pas comme ça. Mais les gens ont vécu dans quel genre de quartier au Cameroun. Moi, c'est que même à Béparé, il y a les gens qui sont bien. La pauvreté ne veut pas dire que vraiment tu as perdu tout tes sens. Hein Est-ce que... Est-ce que la pauvreté veut dire que tu as perdu tous tes sens hein? 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 Est-ce que ça veut dire que tu as perdu tous tes sens Vous invitez les gens sur vos trucs que vous avez raconté, que vous appelez ça, partager, s'il vous plaît. Vous êtes mes élites, vous êtes, des, vous êtes des élites. Vous avez un pouvoir que vous ne savez pas. Même en faux profil, Dieu vous a donné un pouvoir. Et le pouvoir, là, c'est que quand vous voyez ce qui n'est pas bien, vous dites non. Et mais vous dites non dans la vérité. Même si c'est moi ici, là, l'impacteur, ce que j'ai tort Ne me supportez jamais. Parce que ce que vous allez m'enfoncer plus dans la bêtise, est-ce que vous avez compris Ce n'est pas parce qu'il faut qu'on monte à tel y que tu as les gens derrière toi. Avoir les gens derrière toi veut dire que quand on te regarde, on sent comment tu es guidé. On sent comment tu es dans la droiture. On sent comment tu connais. Faire la part des choses. Hein? Mais c'est quoi ces femmes-là que j'ai déjà parlé ici, là? Mais chérie, moi, dans quelques jours, la le 20 mai, c'est quand peut-être dans deux, trois jours, je frappe mes 48 ans propres et clair. Et ça ne... donc, et je ne demande à personne. Si on va on ajouter cinq ans même encore sur ça, je prends. Je prends parce que quoi? Parce que n'importe où je vais passer, on va, je ne sais pas pourquoi ces vieilles femmes ne s'assument pas, hein. Je ne sais pas pourquoi, hein. Quand on, on est jeune, on est jeune, c'est comme même l'arbre est jeune. Mon frère, tout le monde doit vieillir. Et c'est un privilège de vieillir. Et pour vieillir, en fait, quand tu as un privilège que tu te vends, c'est parce que tu as l'expérience de vie. Tu as un peu plus de sagesse. Tu connais ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu connais ce qu'on appelle offenser même quelqu'un. Les télés où quelqu'un n'a même pas encore déjà fait la formation pour avoir rien que papier de plus d'un an. Un. Quelqu'un n'a même pas encore fait un mariage On a vu Quelqu'un n'arrive même pas à éduquer un enfant bien Parce qu'elle aboie crie tous les jours dans la chambre Devant l'enfant Et puis c'est le genre de femme là qui va faire télé Jusqu'à ce que les vraies personnes Donc quelqu'un qui a l'estime pour lui Va venir regarder Vous croyez que des, des pondeuses de haine comme ça peuvent pondre quoi de plus si ce n'est pas pour avoir la manipulation comment entrer dans les têtes des personnes faibles pour avancer des mots qui vont le pousser au mal-être et qui va causer sa mort comme ça a causé pour notre frère Lambert. On parle de quoi Hein On parle de quoi Bonjour mon bébé Valochkan. On parle de quoi qu'on parle là Qu'on va toujours... Ils parlent des bêtises comme ça, pensent qu'ils vont faire... Hmm? On aura peur de prendre notre nos, 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 nos caméra parce qu'ils vont dire qu'on cherche les vues derrière eux. Mon frère, on cherche. Tu vois, vous avez vu quelqu'un qui cherche l'argent derrière quelqu'un qui est pauvre? Vous avez vu quelqu'un qui cherche la santé derrière quelqu'un qui est malade? Mais vous êtes malade. C'est la maladie là, c'est ça qui dérange vos cerveaux. Vous êtes déréglés. C est, c est même même quand une femme a fait une mauvaise vie, qu'elle est passée partout, partout, comme vous dites les tchades, les trucs, trucs, truc, là, avec celle-là qui est partie aussi se cacher là-bas au Cameroun. Hey! Ce que ça va être une guerre mondiale qui va déclencher. Hey! C'est quoi? La femme, là, elle est là-bas, yaoundé, là-bas, tu es pas, tu as décidé que tu laisses l'Europe, tu es au Cameroun. Mon frère, on s'ennuie au Cameroun aussi, comme ça. Avec tous les, avec tous, j'ai même appris que, en Balmayo là-bas, il y a les, 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 les de viande de brousse. Mon frère, tu peux pas manger ta viande de brousse, tu fermes ta lage, tu es parti de la Suisse, là-bas. C'était pour venir encore toujours au Cameroun, déranger les Camerounais qui vivent déjà dans les, les, la, précarité. Hein? C'est quoi ce genre de malchance, là? Il est malé. Eh? on te invite tu porte te pied counna couna couna cona tu quitte du camerouon parce que tu veva entangre eh? et qamd tu vois des femmes na comme ça ces su moi je ne sais même pasco Mais je pensais, j'avais vu que leur télé, là, le jour, ils ont eu 438 vues. J'ai vu ça jusqu'à dire que merde. Donc, mélanger avec un ouvert et tout et C'est ça que les gens, quand la télé, là, avait commencé, on se disait que peut-être tu peux changer quelqu'un, la télé fait. Et puis après, les gens, les grands investisseurs viennent faire la publicité de leurs produits. Parce que même les publicités Facebook, ça ne paye pas bien. Mais pourtant, si quelqu'un a sa, sa, sa compagnie, peut-être que de je ne sais quoi, il vend quoi que ce soit, la personne peut venir te dire que je te donne 1000 euros, tu places ton, mon produit sur ton mur toute une journée, ou bien si tu as rien que 10 ou 20 publicités par mois, ça te fait 20 000 euros. C'est comme ça qu'on fait l'argent. Hein Pourquoi les têtes sont vides comme ça Télévision de malchance. Hein Télévision où les questions que tu dois poser, tu es obligé de réveiller la haine ou bien la de quelqu'un c'est toi qui a causé ça. C'est toi. Quand on a causé ta part là-bas chez, où c'est, vous appelez ça, comment, où c'est chez Aïssa Sol. Quand on t'a attaché, ça t'a énervé, non? Ça t'a mis en dépression, non? Mais tu as vécu ça. Mais maintenant, la dame Marie, tu ne pouvais pas trouver des questions vraiment qui partent très loin de ce sujet. Sachant que c'est un sujet, elle a aimé ce monsieur. Et ce monsieur l'a aimé. Ils ont passé la nuit ensemble. Le monsieur a déversé son fluide. A déversé son fluide dans la la, la, la femme-là. Un peu fluider Excusez mon français. Je vous ai dit que nous, on a l'avocate. Elle parle pour moi. Donc, le français, là, ce n'est pas mon deuxième nom. Voilà. Donc, elle a parlé. Et, et, quand on a parlé pour toi, pour tes cordes. Mais ça, ça t'a fait mal. Ça t'a fait beaucoup mal, non Ça t'a fait déprimer même, non Ça t'a fait te cacher même, non Mais toi, au moins... Tu avais tes petits sangouts et tes petits quoi là, les perdus comme toi-même que tu appelles les lolomania là. Ça, ce sont ces conneries là qui sont venues quand même te donner leur petit soutien, malgré qu'ils savent que tu étais dans le tort. Et maintenant, hein? Et maintenant tu quittes de là. Tu pars maintenant faire la sorcellerie de télévision. Tu invites la femme. Tu sais qu'elle a vécu des problèmes. Il a vécu des problèmes. Ils sont, en, ils, sont, ils sont en désaccord. C'est peut-être normal. Hein? Ils sont en désaccord. Et quand c'est comme ça, l'être humain devient un diable. Ce sont les nous encore qui avons peut-être la conscience bien, tranquille. C'est nous de ramener la lumière entre ces deux parce qu'ils sont en train de se battre. C'est normal. Même les animaux se battent. À plus forte raison, les êtres humains. Mais il faut aussi des êtres humains conscients autour de ces personnes qui sont dans la colère en ce moment précis. D'essayer de leur calmer. Mais toi, tu as vu que tu devais appeler la dame. Sur ta télé de merde là. Pour commencer à faire le, le, le désordre. Donc poser des questions que tu sais que ça attaque le monsieur en direct. Et que ça réveille encore la colère de la femme. Parce que même elle-même, tu n'as pas aimé. En lui posant les questions comme ça, je te connais. Ça veut dire que tu te moquais d'elle derrière. Et tu voulais encore plus l'exposer même. Tu voulais plutôt l'exposer. Hein? Et maintenant comme si ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, tu cours maintenant. C'est sûr que quand le le truc le là est sorti, après ils sont partis chez le le, 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 le monsieur là, le frère camerounais qui est et, 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 au truc là, on appelle ça comment, à, en Suisse là. Ça a encore déclenché tout ça, ça déclenche là bas c'est le monsieur de la Suisse à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas redéclenché ça, le monsieur sûrement vivait déjà sa vie, sûrement la femme vivait déjà sa vie. Je ne sais pas, mais ça c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais mon sixième sens me dit que le peuple camerounais, vous là qui êtes en faux profil, c'est maintenant là que vous allez faire vos travail. Vous allez mettre, donc vous allez mettre les cricots avec Lolo et la femme de Yaoundé là. Les meurtriers, on doit faire investigation. Et que la famille et les gens les plus proches, qu'on doit aller regarder, même chez les marabouts, nous sommes des africains. Donc on est ce qu'on appelle le vaudou. C'est notre tradition. La tradition de l'homme noir, c'est le vaudou. Le blanc est venu prendre notre vaudou pour fabriquer maintenant les trucs dans la vie réelle. Faire les avions, les ceci. On ne doit jamais refuser qui nous sommes. On ne doit jamais oublier. Même si on s'est marié au blanc, même si on n'est pas mis les blancs, même si on a fait ceci. Mais nous sommes africains et on connaît le vaudou. Donc, puisque une guerre sans merci s'est réveillée, sûrement cette femme, a déjà a interpellé les gens déjà pour le tuer mystiquement. Je vous avais déjà raconté ici, non Que depuis l'âge de 5 ans, moi je, faisais, je devais voir, non Normalement, je devais sortir comme si Dans les normes, je devais sortir les gens là que vous voyez là, qui font les visions là, avec les trucs attachés, attachés, attachés partout. C'était naturel. Dieu, Dieu m'a donné cette vision naturelle. Donc quand mon sixième sens me frappe, c'est que c'est comme ça. On ne doit pas laisser. Ça veut dire, la police doit investiguer ce qui s'est passé. Il faut que ceci soit, soit, il faut que ceci soit, on appelle ça comment? Que ce soit un exemple sur Facebook. Que quelqu'un ne va pas faire sa maman est partie impunie. On va te craquer, on va te chercher et on va te faire payer pour ce que tu as fait. Et que n'importe qui, qui a été, soit de près ou de loin, qui a écouté, mais n'a pas mis un stop à la mort. Donc, au commande où commandement, où c'est commandement, où c'est quoi, 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 de la mort, du planifing, de la, On signale déjà le direct. Tapez les cœurs, donnez les cœurs, mes élites. Donnez les cœurs, pardon. Frappez les cœurs, frappez les cœurs, frappez les cœurs. Il signale déjà. Il signale déjà, frappez les cœurs. Frappez les cœurs, pardon. Tapez les cœurs, merci, merci beaucoup. Tapez les cœurs, tapez, tapez, frappez. Frappez, voilà, c'est bon, merci. Hein? 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 Mais deux. Vous faites les, les trucs de télévision au lieu de faire les vrais trucs. Je vous avais déjà dit, voilà l'ivoirienne là. Les Ivoiriens sont venus dans Facebook avant, après, après vous, les Camerounaises. Voilà aujourd'hui, vous voyez coach Amon Chic. Vous pensez que coach Amonchik touche combien par mois? Je vous dis à peu près combien elle peut toucher par mois. Elle est aux environs de 15 000 euros le mois. Donc, si elle n'a rien fait, elle touche au moins 15 000 euros le mois. 15 000, bien sonné. Parce qu'elle était sage. Elle fait des sujets que vraiment la société a besoin. Elle donne sans parallèlement donc indirectement, elle donne des conseils. À quoi s'attendre? Peut-être pas même elle suit les vidéos des autres personnes, elle est inspirée, elle vient et dépose aussi sur son mur. Elle a ses vues sur Facebook, elle a ses vues sur TikTok, elle a ses vues sur, sur YouTube, tout ça. Les gens font les publicités, on l'invite. C'est comme ça qu'on fait l'argent. Le clash ne peut pas avancer quelqu'un. Vous ne pouvez pas clasher vos propres frères comme ça. Hein? Surtout que les gens ne vous ont rien fait, ne vous a même pas euh, pardon, tapoter, euh, euh, tapotez l'écran, tapotez. tapoter ouais. les Merci ma fille perpétue, merci. tapoter les tapoter, partager ça, partager le direct là jusqu'à jusqu'à. Je dis que les faux profils, c'est maintenant là qu'on doit vous respecter. Parce que vous avez vos place dans Facebook. Ça, c'est vrai. Parce que dans les faux profils, là, ce que vous entendez souvent, faux profil, faux profil, vous ne savez pas que même les ministres sont en faux profil. Est-ce que vous savez ça? Même les ministres. La plupart des ministres, là, les avocats, les présidents de tribunaux, les, les magistrats, même Chantal Biya, elle est dans Facebook, mais en faux profil. Parce qu'elle ne peut pas... Quand même, il faut qu'elle se protège. Vous voyez un peu Parce que tout peut être capturé, pardon, tapoter les cœurs. Vous voyez comment le direct est menacé, non Tapoter les cœurs, pardon. Merci beaucoup. Merci à mes élites. Tapoter les cœurs, partager, 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 partager. Donc, comme je disais tantôt, ça maintenant... Jusqu'à quelqu'un me gratuit comme ça. Voilà, tu as vu ma, ma fille. Tu as vu. Hein? Gratuit. Tout ça parce que quelqu'un veut se dire que je suis star sur Facebook. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous savez que il y a des grosses mangues qui ne sont pas sucrées Pas tous les grosses mangues sont sucrées. Donc tu peux être star, mais essayez d'être star dans quelque chose de bon et vous voyez au moment où les vraies clasheuses donc on dit clasheuse même que tu l'attaques, elle est là debout elle vient comme elle vient comme une armée il y avait ma fille là il y avait Perpetue et il y avait Flo les deux personnes là qui ont commencé elles mêmes elles ont vu que mon frère avait l'expérience et l'âge elles ont vu qu'elles ne peuvent plus et elles ont dit que stop à ça et elles vous ont imposé cela à vous leurs fans leurs followers elles vous ont imposé et vous avez respecté. Et elles vous ont montré leur gratitude et leur amour envers vous. Elles ne vous ont jamais croyé. Maintenant, vous avez les yé, yeah, yeah, les zéros tout ronds. Qui sont toujours à la quête. La visibilité était à partie. Depuis, c'est les deux-là qui détiennent leur visibilité dans Facebook. Vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien et zéro. Rien et zéro. Voilà les deux sœurs. Que quand on dit que Facebook, là, voilà les deux sœurs qui ont la visibilité sur Facebook. Mais si les deux seuls là ont décidé, parce que ce sont elles qui sont l'armée même, donc qui sont les commandants de l'armée, des armées-là, hein? si elles ont décidé que l'affaire-là ne nous a pas payé, mon frère, vous ne pouvez pas apprendre à partir de leurs exemples et de leur expérience. Elles ont l'expérience que vous, vous êtes même les qui, vous clashez même. Vous clashez même. Vous forcez que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ne leur faites pas la jalousie. Bonjour euh, 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 Samène Michael. J'espère qu'à tous celles que j'ai qui m'ont demandé le, la recette là, j'espère que Samène Michael vous a vous a contacté, vous a passé. Elle m'a dit, elle m'a promis qu'elle vous a donné tous toutes les la recette. Donc ça c'est en passant comme ça parce qu'on on dit qu'un un vrai leader doit regarder si son travailleur travaille bien. Donc je viens ici là devant vous sur Facebook quand je sais qu'elle est là. Demandez si elle vous envoie. Si elle ne vous a pas envoyé, vous entrez dans son inbox de Samène Michael. Elle vous donne la recette. C'est quoi ce genre de, de façon-là hein? Celle-là se place là-bas où c'est Chopa ou c'est quoi la mate Chopa Elle se place là-bas. Tu, tu es quitté de la Suisse que tu veux la tranquillité, non Taper des tape cœurs, pardon, taper, taper, tapez, pardon, taper, merci, merci. Merci mes élites. Tu es parti de la Suisse, que tu rentres au Cameroun parce que tu as, tu t'es dit que tu as atteint. Parce que vous savez, je vais vous dire, le niveau, le niveau de richesse, hein le, le, le niveau de richesse de quelqu'un, ou bien de bonheur de quelqu'un, c'est quand, quand tu te contentes de ce que tu as. Donc, tu trouves que ce que tu as là, c'est suffisant pour toi. Parce que, je vous m'en prie, sinon tu vas chercher toute ta vie et tu ne vas jamais trouver. Parce qu'à la fin, tu vas se manquer dans la tête. Tu vas chercher, laisser ce que tu es en train de chercher là. Il n'y a pas deux personnes. Donc, aucune personne ne pisse le diamant. Tout le monde pisse les urines. Il n'y a personne qui va dire que il y a l'eau qui, qui coule dans ses veines. Tout le monde coule le, le sang. Donc quand on nous coupe là, nous tous, on va couler le sang. Donc il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un sur la terre ici. Donc le truc de, de manque de confiance que vous avez en vous, que vous faites vos télés de merde parce que vous voulez dire que j'ai les vues là. Hé hey Ça doit faire rester dans la blague. Hein. Ça ne doit pas. J'ai toujours dit ici que créer le mal-être en quelqu'un, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui ne sont pas... Comme les nous comme ça, que vous avez vu de sous vos yeux, sous vos yeux, ma propre famille m'a clashée. Mais je vais vous dire la vérité. Derrière, derrière, ceux qui me connaissent indirectement, je les protège plutôt. Parce que quand je fais, j'ai peur que peut-être ils doivent... Ils sont faibles et que ça les affaiblisse, ça les tue. Mais je les menace, c'est ma famille. Mais je connais là où m'arrêter. Hein? Et c'est parce que même je me défends. Vous ne m'avez pas vu venir ici que vous commencez les problèmes. Non, c'est parce que je me défends. Et que je connais ce qu'on appelle la justice. Vous avez vu m'interposer contre ma propre maman qui m'a mis naissance, qui m'a qui porté neuf mois. C'est beaucoup. Écoutez bien. Quand une femme comme moi, ma maman qui m'a porté neuf mois, qui a dormi sans dormir à cause des vomissements, des nausées, vous croyez que je ne dois pas apprécier Je dois apprécier. Mais en même temps, j'ai juste mal parce que. Le moment où je dois changer vraiment sa vie, la reine, elle se retourne contre moi et gratuite, gratuitement. Mais même jusque-là, est-ce que ça empêche que tu vas regarder qu'est-ce que ma mère va bien? Est-ce que c'est si elle est malade? Est-ce qu'on a fait ce qu'on lui a donné? Hé, hey, toi aussi, hein? C'est quoi là? N'a rien à voir. Hé, hey, si cette direction assistée, là, hé, hey, tu sais que je respecte tout le monde, hein? Va faire tes conneries là avec tes sans-papiers, les femmes qui ont fait le tchad, et baiser à gauche, à droite. Hé. Hey, pas ici, hein? Je dis bien que pas ici. Est-ce que tu m'écoutes très bien? j'ai pas de problème avec toi, mais pas ici. Tapotez le, le Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez les coeurs, Envoyez les cœurs. Tapotez l'écran. Le direct est menacé. Hein? Tapotez l'écran. Tapotez les cœurs. Tapotez l'écran, envoyez les cœurs. Mais pourquoi vous menacez le direct là comme ça, non Vous meniez direct à pourquoi? Pourquoi vous menacez le direct là? Why? Il y a quoi là? On parle de quelqu'un qu'on vient de... Qu on vient... Moi, j'appelle ça l'assassinat. J'appelle ça que l'assassinat. Avec complicité, la télé, l'olofondja. C'est ça qui est ça. Merde. Vous pensez qu'à une... un moment donné, c'est vous qui connaissez, ouvrir vos salles de là. Pour... On a grandi à Bonamoussa dit donc, dans les barrières. Mais si on veut aussi devenir les gens du psouka, là, peut devenir. Merde. C'est quoi? On fait tout pour tout pour dire qu'on veut vous tirer vers le haut, vous ne faites que vouloir tirer vos frères et sœurs vers le bas. C'est la part du, de, 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 la Suisse d'abord, c'est mate, pas. Tu rentres, tu rentres, tu, tu rentres de, 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 voilà, maintenant tu parles bien direction, direction assistée. C'est quoi? On parle ici, là, comme ça, de quelqu'un, même si c'était que tu aimes Lolo et que c'est les trucs comme ça qui ont causé, là, tu ne crois pas que même à ton niveau. Pourquoi vous vous sous-estimez? Vous ne savez pas que vous êtes des semeuses de paix? que des semeuses des déclencheuses de la guerre. Soyons des bonnes personnes. Soyons des belles personnes. Soyons celles-là qui sèment la paix. Soyons celles-là qui disent non quand il faut dire non. Et on dit oui quand il faut dire oui. On ne dit pas oui pour plaire aux gens. Seigneur mon Dieu, et puis le dimanche on va à l'église. Mais comment Comment on dort dans la nuit Ça ne vous fait pas mal que ce monsieur partout, partout, aujourd'hui, on oh met qu'il est décédé à cause d'un mal-être. Et vous vous dites que le mal est là, ça sort, vous ne trouvez pas que vous avez une conscience dans la tête, que vous avez l'âme dans le corps et l'esprit. Est-ce que c'est normal Est-ce possible C'est pour dire déjà à celle de la télé-là qu'il faut souvent choisir bien, même avant d'interviewer même un président. On calcule d'abord ce qu'on va demander. C'est une chaîne de télé, c'est un truc que tu fais une sortie, c'est ça qui te finit. Vous avez vu vos que petites la à de diamants? Ce qu'elle a fait là, c'est ça qui a fini son, son petit joker qu'elle voulait jouer. C'est le, donc, c'est le, le, journaliste qui te, c'est le journaliste qui te tue bien c'est le journaliste qui t'élève. La fête était déjà calme, Marie-Louise, un Ndjana. C'était déjà calme. Nous sommes dans Facebook. Même si on ne commente pas, on voit les choses quand même filer. Quand tu prends ton Facebook, tu fais comme ça, tu cherches aussi les comédies, et puis en passant, tu vois un post, tu t'arrêtes un peu, tu lis. Bon, tu te dis, c'est pas pour moi, bon, ils sont, ils sont bien dans leur... Tu, Tu ne fais que comme ça. Hein? Hein? Oh. Non, mais attendez un peu. Elle avait, elle avait, quoi, y voir allez regarder encore sur. Je veux que les gens qui font les debriefings là, parce que moi je sais pas regarder le direct là, mais allez encore regarder le direct qu'elle avait fait avec matt Chopar. Et puis vous me coupez les vidéos là où elle a commencé à poser les questions de Henna sur le gars de Lambert. Et puis c'est ça que vous allez déposer partout sur Facebook, ça va hanter. Elle-même la qui a déclenché la déclencheuse, oui, c'est comme ça. Elle va manger elle-même le corps de Lambert. Vous allez manger ça. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je dis que les, les je dis que les forces publiques du Cameroun dont tout. On dit que le, la, le Cameroun a la plus bonne quoi là, équipe de de quoi là de de, de invest, le, et plus que le FBI. Il faut que ça doit sortir. Il faut que tous les pygmées de la lobby, tous les pygmées de, de 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 Yoko, tout le monde, tous les sorciers même de donc celui qui connaît tous les sorciers, tous les les, les marabouts de, de on a, Je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui là non moi boss lady. Je ne peux pas vous mentir. Hein. Quand ça ne va pas dans moi, que sans que petit, ça ne va pas. J'envoie pas me regarder chez les marabouts. Hein. Hey, on, nous sommes les bantous. Nous sommes des Africains. On doit connaître que nous, on n'est pas comme les blancs. Donc quand quelqu'un te rate, dans la vraie vie, il te cherche mystiquement. Protégez-vous. Hein. Que chacun doit avoir son marabout qui le protège bien. Hein. Sinon, vous allez tous mourir. Que il y a du J'ai vu la mort d'une de mes petites ici. Ça m'a ouvert les yeux comme ça grandement. J'ai dit que plus jamais. La comme qu'on dit que parce qu'on prie Dieu, on ne peut pas entrer chez les marabouts. Je vais entrer. La personne qui me tente. Tu veux aussi trouver ma part de malheur. C'est comme ça. Ne restez plus sans les malheurs dans vos vies. Les familles sont devenues sorcières. Les gens autour de nous sont devenus sorcières. Chacun bloque ta vie. Mais je vous avais expliqué ce qu'on a bloqué ma vie, non? Mais comme je dis toujours. Il y a le karma que même quand on bloque ta vie, même Dieu entre dans ça, dont le bon karma que tu as posé là, ça te protège, mais à un moment, ça se fatigue. C'est comme si ça montait la colline là, après ça se fatigue à un niveau. Il a fallu ici que je me lave avec le sel et l'eau et le vin, le vin rouge. Rien que les deux là, c'est déjà une magie. Donc, quand tu prends le sel, tu finis de te laver le soir, non C'est ce que la personne depuis le Cameroun m'avait prescrit. Et je vous dis ça ici aujourd'hui. Parce que vraiment, il faut que vous vous protégez, mes élites. Ne vous laissez plus comme ça. Sinon, on va vous tuer. Vous voyez devant vous, moi-même, ma propre famille, qui veut me tuer. Mais sauf que moi, je suis une bonne tête. Donc on dit one tête là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me tuer. Personne. Et je vais continuer avec une bonne personne, une belle personne. L'être ne va jamais me changer. C'est que c'est l'être là qui m'a créé. Pour que quelqu'un me chante, il faut qu'il qu soit... Il soit témoin quand j'avais été créé. Donc quand Dieu a dit que voilà, je vais te mettre dans le ventre, dans, le, dans les testicules de ton mari, c'est là où la personne peut peut-être me rendre méchante. Tu fais ta méchanceté, mon frère, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Protégez-vous, hein. Même si vous arrêtez la Bible, on a nos traditions. On a nos cultures. Ça s'appelle le vaudou. Ça, c'était le Dieu. Des, des 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 africains nouveau Vodou. protégez vous hein n'ayez pas honte de dire à quelqu'un que je m'en vais chez le marabout hein parce que quand vous dites même au sorcier que je m'en vais chez le marabout ce mec de toi il dit que eh, la fille si elle entre là où elle, elle ne doit pas entrer. c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital pour faire son son examen son examen son son état de santé hein son état de santé voit son état de santé aussi normal hein Mais bien sûr, si je ne veux pas les aimer que je vais encore aimer qui même j'aime déjà même les gens j'aime les inconnus combien de fois ma propre famille tu dois être obligé de les aimer c'est ta famille c'est là où Dieu t'a posé il t'a imposé même tu n'as pas fait un choix tu es obligé de les aimer et en aimant les gens ce n'est pas toujours parce que aimer les gens veut dire que tu gardes ton âme et ton esprit en perfect, en parfaite en harmonie ça veut dire que tu arranges, tu graisses bien le lit de Dieu pour qu'il puisse ancrer dans toi. Parce qu'on a dit que tu as été créé à son image. Quand on lit la Bible, on n'a pas besoin de lire beaucoup. Il faut la comprendre. Et quand tu la comprends, tu vas vivre pleinement une vie heureuse et une vie dans la paix. Comme je dis, peace. Tu vas vivre dans la paix. Parce que tu as compris que tu dois garder ton esprit et ton âme en harmonie. Et pour les garder en harmonie, tu dois garder le calme. Ça ne veut dire pas de haine. Pas de détester les gens pour rien. Pas Dis la vérité là où il faut dire la vérité. Parce que même Jésus, tu me rappelles, était allé dans l'église de son père. Les malheureux même. Les malheureux ont transformé la maison de l'église en marché. Il a tout cassé. Donc ça veut dire, tu as gloire à la colère, mais à une colère véridique. Ce n'est pas la colère ne veut pas dire détester les gens. Mais dans Facebook, si, la qualité de haine que je vois là. Non, la haine là. Ça débordait. abatamja tamja. Abba tamja. Ça débordait les limites. C'est quoi? Toujours parce que il faut, il faut, il faut apprendre que star d'abord dans vos vies. Hein. Donc, quand on dit que star là, c'est d'abord dans ta vie. Donc, quand tu te réveilles le matin comme ça, toi-même tu te donnes les éloges. Toi-même là, tu t'honores. Mais tu vois des bêtises comme ça ne s'honorent même pas des vieilles mecs qui ont traversé 50 ans, mon frère. Mais on vous avait fait quoi même, dis donc? C'est la malédiction? C'est la malédiction. Une femme, tu as couché avec un homme, mon frère. Tu sautes d'où partout. Tu penses qu'un homme peut encore te considérer, toi, là, c'est la mate, je Un homme peut te considérer. L'homme qui va être avec toi s'attend déjà que tu vas lui faire les problèmes comme tu as fait à celui-ci. Et maintenant, alors, ta carrière est finie même. Donc, on va se dire que tu es une femme tellement... On dit quoi colérique. On dit quoi, quoi C'est colérique ou c'est quoi là. On va se dire que tu es une femme... hein on va te dire que tu es avec 150 personnes. Tu as vu Mamie, Marie, Louise, Aïssine Je te dis la vérité, Macaro. Hein? Quelque veut de temps de direct avec 150 personnes. Ta malédiction et ton mauvais cœur et ta, ta soif de concurrencer, les deux premières de Facebook. là. C'est ça qui va te tuer. C'est Ça va te manger même. Tu ne peux pas. Parce que, tu, parce que Dieu même voit que tu ne fais pas ça avec bonne intention. Tu fais pour ruiner les gens. Non, sa carrière est finie, mamie. Marguerite, sa carrière est finie. Pardon, tapotez, tête tapez, tapez les cœurs, tapez les cœurs. Vous croyez que je... Est-ce que je fais les directs constamment? Donc, ça veut dire que si je fais les directs, vous allez seulement alors finir. Donc, vous allez seulement tout, tout, tout bloqué. Regardez-vous. On fait petit direct, vous êtes déjà sur ça pour, pour, pour annoncer. Attendez, j'ouvre ma page. Je veux Donc, je veux porter mes fesses et mes mandibules. Je veux m'asseoir sur vous. Vous goez nos pots.

Oh, dis donc. Non, mais attendez un peu. On prie, on appelle le nom de Dieu par comment, on appelle le nom de Jésus, comment, on dort, comment la nuit, sachant qu'on a traumatisé l'esprit de quelqu'un. Donc, voilà qu'il rend l'âme. Son âme n'arrivait plus à supporter vos conneries. Hum? Non, Zuckerberg a instauré la modification. Il a raison. Parce qu'ils gagnent l'argent chez des gens qui font leur publicité. Mais maintenant, c'est juste que la toile camerounaise, surtout les gens comme celle-là, comme Lolo là, elles ont pris ça pour faire de ça que c'est la force, la force. Est-ce qu'on a besoin de forcer quand on est, quand on, quand, quand, quand on est, quand, quand on a, on appelle même ça comment Quand on a un bon rat est-ce que tu as besoin de forcer Est-ce que tu as besoin de clasher pour avoir les gens? Aujourd'hui, quand on crée un produit, je vais vous donner un exemple, vite en passant. Même quand on crée un produit comme là, j'essaye de créer un produit. Qu'est-ce que tu te poses comme question en un? Euh, premièrement, tu te poses la question. Qu'est-ce qui peut faciliter la vie des gens? Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qui peut ajouter à la vie des gens? C'est ça que les gens veulent aujourd'hui? Les gens aujourd'hui veulent perdre le poids. Si tu trouves un produit que vrai, vrai là, ça le poids, ça, ça casse le poids des gens. Voilà, on va t'inviter même sur CNN. Voilà, tu vas devenir pas millionnaire, mais billionnaire en une seconde. Donc, vrai, vrai, tu as créé un produit que quand quelqu'un prend comme ça, ça casse son poids vrai en vrai, que ça ne revient plus. Tu as gagné. Que tu as créé un produit que les femmes qui ont beaucoup de scènes, là, que quelqu'un met comme ça, en deux, trois jours, c'est parti là. Tu vas gagner, donc, si tu veux être connu, tu seras connu plus que Zuckerberg C'est quoi là C'est quoi ça c'est quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas donner le temps à vos têtes de réfléchir, de s'ennuyer, d'inventer quelque chose comme Zuckerberg a inventé Facebook? Hein? Est-ce que, est que vous ne pouvez pas aussi rester comme ça, que Zuckerberg reste comme ça, que vous avez inventé aussi une autre quelque chose, on dit que ça sort des Camerounaises? Pourquoi tous les jours ce qui doit sortir des Camerounaises, ce n'est que de la merde totale. Hein? Si tu n'avais pas déclenché ça sur, ta, sur, sur, sur ton plateau télé, ce que l'autre aussi et le, le frère qui est du côté de, 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 de la Suisse là, il n'allait pas déclencher un direct pour parler encore de ce même problème. Et vous-même, vous connaissez vos guerres de Facebook. Vous êtes dans les guerres qu'est hein? les femmes si elles sont dans les guerres que dès que elle entre dans ça. Elle ne dort plus, hein. Elle réfléchit. Il faut que je cherche. Vraiment, il faut que j'aille sur Facebook chercher les anciennes vidéos. Hey, Makota, ma est-ce que tu as les vidéos de que quand elle a tel tel quand tel tel avait fait les vidéos contre moi pour garder ça comme preuve, pour me déposer sur Facebook? Trop de réflexion dans zéro. Le salaire de ça, c'est quoi? Voilà le salaire. Maintenant, toi, Chopin. C'est mat. Tu es contente de voir qu'un homme avec qui tu as couché, l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, un, 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 un confrère camerounais, tu es contente de voir que sa, sa photo défile partout, partout sur Facebook. Tu vas dormir toi-même comment cette nuit Si tu n'es pas sorcier, dis-moi aussi. Yes, How will you sleep tonight? Tu vas dormir comment Hein Tu vas dormir franchement comment cette nuit là, tu vas. Je dis que cette nuit-ci, tu vas dormir comment? Oh, chimgeke, tu vas. Donc on reste comme ça que il faut que tu fermes tes yeux. Tu vas fermer tes yeux comment? Dis-moi aussi non. Hey, Mali. Non, la qualité si. Hey. La qualité si. Dame Fodjo, dame La façon, la qualité si. Dame Fodjo, dame Ça c'est la qualité qui a débordé même. Oh non. Non, mais sérieux, attendons un peu. Non, voilà, c'est toi qui as connu. Coquille du Camer, justice pour Jean Labet et Yéné. Abena. Voilà, c'est ça. Justice pour lui. Vrai, vrai. Les faux profils là, on vous respecte hein, parce qu'on connaît que parmi vous là, il y a les préfets, il y a les sous préfets Écoutez bien, je parle parce que moi-même, je connais certains faux profils. Une, autre, autre personnalité. Vous êtes là-dedans, dans Facebook. Avez-vous, vous, avez-nous vos soeurs et vos frères. Vous voyez ce qui se passe, non Donc, vrai, vrai, faites le travail. Faites le travail. Faites le travail. Vous êtes dans le truc-là. Donc, vous êtes, les, vous êtes des personnalités au Cameroun. Donc, vous devez regarder ce problème. Et sa famille doit aller regarder mystiquement. Ils doivent aller chez les marabouts. Donc, jusqu'à Marabout-là. Ils partent même, je dis, ils n'ont rien à perdre. On doit voir là où la mort de leur frère est sortie. Et ils doivent dire ceci. Qu'ils ne tuent pas la personne, mais ils disent que ce que la personne a fait à leur frère, ils vont faire que la personne viendra elle-même témoigner sur Vision ce qu'elle a fait à leur frère. Comme ça, ça va servir de leçon à d'autres sorciers qui regardent comment ils vont finir une autre personne qui peut être vous ou moi. Il va pensé dix mille fois avant de passer à l'acte de sorcellerie. Avant de passer à l'acte de sorcellerie. Donc, elle doit nous expliquer, comme tu as dit, et elle doit expliquer comment ce garçon est décédé. Parce que maintenant, apparemment, c'est comme si, apparemment, c'est comme si ils étaient dans une guerre sans merci. Et donc elle a eu peur que le gamin, le monsieur va sortir avec des nouvelles preuves comme c'est ce qui fabrique sur Facebook non on va faire comment Donc voilà où il sort elle sort maintenant soit elle a payé mystiquement elle est pas touchée parce qu'aujourd'hui, là c'est à distance hein. tu donnes seulement le nom complet de la personne et c'est fini si la personne peut-être tu es vraiment en conflit la personne ça l'attrape. vous voyez un peu soit elle a payé quelqu'un d'aller le tu on ne connaît ah, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on ne connaît pas finit toujours par être, co par être connu. C'est comme ça. On ne laisse pas. Oui, oui, oui. On ne peut pas te laisser, ma chérie. Tu dois payer. On ne peut pas. Si tu, connais, si tu ne connais pas quelque chose, tant mieux. Dieu est grand. On peut faire des erreurs en t'accusant. On peut faire des erreurs en disant ceci, cela. Mais, il faut qu'on sonne. Là, là, là. Il faut qu'on tape la sonnette d'alarme. Bang, bang, bang pour wake-up. Ré réveillez vous go pour t'emmener, oh, go 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 pour t'emmener, go pour t'emmener les go pour go Facebook a mitte, te te mimi baba joue pas non que Facebook donc kill somebody, oui 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 que Facebook a qu'pong pong pong sauté oh, eh à la fin quelqu'un ça tue quelqu'un devant sous nos yeux en quelques jours, hey, yeah. en quelques jours ça tue quelqu'un, hum, go wo 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 enfin voilà. Voilà ce qu'on avait peur. Jusqu'à voilà que ça a déposé le corps de quelqu'un. Ça a déposé le corps de quelqu'un dans Facebook. C'est quoi C'est quoi les cotisations de haine Hein C'est quoi Tu invitais la femme là sur ta chaîne télé, pourquoi Tu invitais la femme là sur ta chaîne télé, pourquoi Pourquoi Pour la haine. Parce que c'est ce que tu connais beaucoup faire. C'est comme ça que tu étais parti courir derrière la, 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 femme, la, la, la femme de Grémons là. Pour qu'elle doit venir m'insulter sur Facebook. Elle-même elle peut supporter un clash avec une femme comme moi. Si ce pas que j'ai pitié, de... elle peut supporter le clash avec une femme comme moi. S il faut dire mais il faut quand même souvent regarder le genre de personnes même que tu entres en insulte avec. Il y a des gens que quand tu les regardes, tu as même pitié d'eux déjà à distance. Heureusement que c'est. Même comme si on va dire que la femme la boit, mais elle est quand même réfléchie dans son cerveau. Elle a dit non. Elle t'a répondu qu'elle dit non. Maintenant, la voilà aujourd'hui. Et tu, tu étais parti la suivre, la dernière fois que tu as recommencé à parler avec pourtant toi tu m'avais appelé que je dois je dois l'insulter, qu'elle t'appelle, que tu as, que, elle, elle a montré ta photo, que tu es nu. Et puis c'est là où tu m'expliquais qu'elle elle, 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 elle prend les, les quoi, là quoi, je t'ai dit que ça ne me concerne pas. Voilà, ça ne me concerne pas si elle prend ses trucs ou ses chanvres ou c'est quoi, je ne connais pas, ça ne me concerne en rien. Je, je t'avais demandé que tu me vois moi, debout ici là. Que je ne pas appeler le nom euh, 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 de la dame-là. J'avais juste euh, euh, réprimandé la dame là de ne plus insulter les gens devant ses, ses, sa, sa, sa belle petite fille. Elle a une jolie petite fille. Et elle a ses deux enfants qu'elle doit respecter. Hein? Et maintenant, quand je parlais de Chantal Biya ici là. Moi, je parlais de Chantal Bielsi, à cause des enfants qui sont morts, euh, euh, qui sont morts dans la couveuse. Pour lui dire que, hé, hey, la mère merci, tu es la mère de tous les Camerounais. Les gros sacs à main de 150 millions de francs CFA que tu achètes là. Tu ne peux pas vendre ça. Tu achètes, tu tu, tu, tu vends même 10 ça, tu ouvres une compagnie, une, une, une petite compagnie, euh, euh, on appelle même ça comme ça, les usines de fabrication. Tu pas prendre les Chinois, les Blancs, tu viens leur déposer au Cameroun pour qu'ils forment aussi les Camerounais. Les Camerounais forment les Camerounais, les autres Camerounais forment les Camerounais. Ça devient une chaîne et puis après, on a un pays un peu qui ressemble, par exemple, à la Côte d'Ivoire, ou bien à la, ou bien au Nigeria, ou bien au Rwanda. C'est possible. Parfois, ton mari peut ne, je disais souvent que son mari peut ne pas faire le travail que est que père Paul bia. Mais toi, la femme, tu viens, tu fais le travail. Parce que j'ai pitié des enfants qui sont là-bas. Moi, mes enfants sont en Europe, ils sont britanniques. Est-ce que j'avais besoin de parler de ça Hein Hey. La fille de la peau de lune, Flo, là. Hé, hey, pas ici, hein. Ne te balade pas très mal avec moi. Hein? Quand tu vois la maman, tu ne m'as jamais vu là-bas. Hein? Donc, quand je parle un truc, mes, mes, mes élites qui sont ici savent quand je parle. Je ne connais pas supporter un camp. Je ne connais pas supporter le mensonge. Je suis ici dans Facebook, mamie. Toi, c'est la fille à la peau de lune, là. Je suis ici comme ça sur Facebook parce que j'ai soutenu mon papa qui était même déjà décédé. Est-ce que tu comprends Donc même quand quelqu'un n'est plus là pour regarder comment je me bats pour lui, je vais me battre pour lui parce que je n'attends pas les étoiles ni les grades de qui que ce soit. Je fais selon la volonté, la vérité devant le bon Dieu que je sais dans mon cœur. Je ne vais pas à l'église mais j'ai une très grande, une crainte et un très grand respect pour celui qui a créé toute la terre et l'univers inclus nous les hommes. Et le a quand même un respect pour lui parfois. Tu ne peux pas créer ta chose, même si c'est un dessin que tu as dessiné et que ce n'est pas encore sec. Ou bien tu as essuyé le sol et que ce n'est pas... Donc, l'essuyer le sol, là, c'est ton travail. Comme le travail de Dieu, c'est créer l'être humain. Et puis, quelqu'un vient, il veut marcher sur ça avec les babouches. Ça, tu vas dire, hey, je viens de nettoyer ça. C'est comme ça Dieu se fâche. Quand tu touches à ce que lui il a créé, fais très, très attention. Et voilà pourquoi on vous dit que la loi du karma est très mauvaise. La loi-là est très très mauvaise et très tranchante. On ne fait pas ça. On veut, tuer, on veut tuer l'olo, que l'olo a quoi Elle a fait, elle fait quoi Elle, est, elle donne l'oxygène à quelqu'un. L'oxygène, là, je te donne. Tu me donnes l'oxygène, même toi-même. Ou ces peaux de lune-là. Tu me donnes l'oxygène. Je te donne l'oxygène. Hein? Je te donne l'oxygène. Apprenez. À faire que même si c'est je dis vous que mère qui vous a mis au monde quand ce n'est pas bon n'allez pas de ce côté parce que sinon vous allez l'induire plus en erreur et plus elle va encore en erreur plus la porte du, de l'enfer sera ouverte pour elle donc si vous aimez vos personnes quand elles sont en erreur vraiment ramenez le dans la lumière vous aurez gagné d'abord vous en tant que bon karma et elle aussi elle aurait gagné en bon karma on n'aime on pas quelqu'un en, en, en suivant cette personne dans la merde dans la bêtise, dans l'injustice. On ne fait pas ça. Ce n'est pas bien pour vous. Et ce n'est non plus bien pour elle. Tu peux penser que tu aimes la personne en te comportant comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Matt était à, à cœur ouvert et le loi a fait son travail. Mais pourquoi faire le travail pour rentrer? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? Tu as déjà vu ta blessure. Tu t'es blessé un jour. Et puis quelqu'un est passé, il a frôlé ça. Dis-moi comment ça fait. Vous savez, dans la vie, c'est pour ça que j'ai toujours dit l'intelligence ne vaut pas la sagesse. Et quand on grandit, et quand on grandit là, hein, quand on vieillit, quand on dit que nous, comme ça, on fait parce qu'on est en train de vieillir là, c'est parce que quand on se place devant les jeunes comme certains de vous, on se vante parce qu'on dit on a l'expérience plus que vous. On a, on a piétiné la terre si plus que vous. Donc, si vous avez piétiné ça pendant 20 ans, nous, on a piétiné pendant 48 ans, pendant 28 ans de plus que vous. Ça veut dire, on a un truc qui vous dépasse. Et ça, c'est l'expérience. Et en tant que grande soeur, on doit vous, donc, on doit vous dire qu'ici, il y a les épines. Ne posez pas les pieds là. Parce que nous, on a posé et on a eu les conséquences. Vous voyez, non? Donc, nous, nous, les grandes sœurs là, comme les vieilles mères là, elles doivent devenir des guides pour vous. Elles doivent te dire, mamie, ne pose pas le pied par ici. Ne pose pas le pied par là-bas. Là-bas, là, ce n'est pas bon. Si un gars fait comme ça dans ta vie, retombe pas comme ça. Fais-le comme ça pour que ça change. Pour chercher le mariage, ce n'est pas comme ça. Pour faire ceci, ce n'est pas comme ça. C'est notre devoir et notre obligation en tant que grande sœur qu'on a le courage de venir mettre nos visages ici, là, sur Facebook, là, que tu as vu là. Tu as compris On est obligé. Vous ne nous demandez pas. Vous êtes une obligation pour nous de vous guider dans la bonne route. Non, 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 non. Ma chérie, on ne pose pas toutes les questions. Demande aux vrais journalistes, ils vont te dire. On ne pose pas toutes les questions. Tu as compris? Assistance, quoi, la direction assistée. On ne pose pas toutes les questions. C'est si toi un truc qui est sur la toile. C'est sous nos yeux. Ce n'est pas que c'est derrière, derrière. C'est sous nos yeux que tout ça s'est passé. Tu viens, tu réveilles encore la blessure de la personne. Quand tu voulais quoi Écouter quoi Tu voulais écouter des mots charmantes venant de la femme Hein Tu voulais écouter les mots charmantes de la femme Elle ne pouvait que, elle ne pouvait que riposter comme ça. Parce que quand il y a la guerre, l'autre veut descendre l'autre. C'est naturel. Hein? L'Ukraine et le, la Russie ne pense pas qu'ils veulent trop bagarrer, mais c'est parce que chacun veut montrer qui est le plus fort et qui a raison. Hein c'est les trucs comme ça, vous déclenchez la haine dans la vie des gens. Mon frère, quelqu'un peut avoir la haine. Hein? Imaginez-vous. Je vous dis pourquoi maintenant. Vous voyez comme aux États-Unis, on prend un exemple. Vous voyez aux États-Unis, vous voyez le taux de mortalité, comment on tue les gens. C'est parce qu'on leur a donné la permission d'arrêter l'âme. Tu as vu comment, quand tu es fâché là. Tu veux la mort de la personne. Demain, après, tu manques même encore les dents avec la personne. Vous avez vu, par exemple, Perpétue et Flo ici. N'est-ce pas, ils se parlent? Mais n'est-ce pas, hier, ils étaient prêts à se tirer l'âme sur la tête. Mais on applaudit. Parce que Dieu dit, en ce moment, même le Père, qui est le Père de Perpétue et de Flore, qui est Dieu, il est content que la paix soit revenue entre ses enfants. On ne refuse pas. C'est comme il y a la tempête et il y a le soleil et il y a le bon temps. Vous voyez Donc c'est normal, nous ne sommes que des êtres humains. Tu peux aimer le rouge j'aime le noir. Je te dis que non, le noir est le meilleur que la meilleure que Tu dis ça, le rouge, c'est ça, ça nous engendre une bagarre. Donc on a, on a des, des... I don't know, this French sometimes is a bit hard. Le français parfois un peu, un genre, un genre. Hein? Donc on a des on a des, des, on a des, des visions différentes, des opinions différentes. C'est normal. On peut même sortir dans le même ventre. Je supporte Manchester United, l'autre supporte Manchester City. C'est normal. Mon fils était ici, supportait United, et son frère supportait Liverpool. Deux bons ennemis quand il y a le match. Donc, quand il y a le match, j'étais obligé, parce que je n'aime pas la télé dans la chambre des enfants, mais j'étais obligé de mettre la télé dans sa chambre pour les séparer. Je dis que tant que le match l'a fini, chacun reste dans son coin. Parce qu'il faut voir les choquements ici avec son grand frère. Son grand frère oh yeah, we beat you, you have nothing. C'est ça, c'est normal, c'est normal. Mais d'attiser ça. Quand les gens ont déjà fait leur peine, ils ont fait leur haine, ils ont fait leur guerre, jusqu'à ce ça s'est calmé. Pardon, on laisse ça de côté. Hein? Et comme je dis, c'est comme une plaie. Tu t'es blessé, c'est presque vers la fin. Quelqu'un passe sur ça, sur tout ton orteil. Donc tu as enlevé les chics. Tu as vu quand tu as enlevé les chics sur les pieds, non Je me rappelle une fois, quand j'avais, je pense, 15 ans. Non, pas 15 ans, j'avais 8 ans. J'étais allé au village. À, à, je sais pas si c'était à Bajun ou à Badeng ou à Baleng, un truc comme ça. J'ai eu les chic. Peut-être que ce soit chic. Mais de mes chics là, quand c'était encore guéri, ça avait le goût de gratter, gratter là. Massa. un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, on était encore jouer les cache-cache. On a couru, on a piété. Oh, ça m'a fait mal plus que le premier jour. Il dit que ça m'a fait mal propre. Donc c'est pareil. Tu vois, c'est l'ego. Ego, Ego c'est ça en fait de quelqu'un. Donc Mathieu Choupa, quand elle a posé cette question, en pleine mondovision, parce que Mathieu Choupa se disait que c'est une chaîne de télé d'une de, personne qui est euh, stade de minuit. Parce que c'est ça, les stades de minuit, là. Les stades dans leur cerveau, franchement. Donc stade dans le cerveau. Parce qu'une star a une façon de se comporter même. Quand tu es star, tu as une façon que tu es appelé à te comporter. Parce que tu sais que les gens te regardent. Quand les gens te regardent. Il y, a, il y a des erreurs que tu ne dois même plus commettre, dont tu dois les commettre peut-être par-ci, par-là, petit, mais pas complètement comme ça. Hein? Directement, tu viens, c'est encore les questions des blessures de la dame, c'est ça que tu poses. Et maintenant, quand tu poses ces questions-là, ça remonte le monsieur, ça le remonte, Non que Frère Lambert. Et maintenant, nous que Frère Lambert cherche aussi là où il va se venger. Parce qu'on a dit des saletés là-bas sur lui, à cause de toi qui a commencé. Et maintenant, il se retrouve chez nos frères en Suisse. Dans les directs. Lui aussi, il maintenant, il verse là-bas. Maintenant, la dame encore, son égo remonte. Où elle veut se venger maintenant pour en finir avec lui. Et c'est ce que vous avez vu devant vous. Et si c'est les marabouts ancrés là-bas, ben, je vous ai dit que chacun de vous là qui me suit, mes élites, là, ayez vos marabouts. Même Dieu ne refuse pas l'autre là. On connaît le vaudou depuis la nuit des temps. Ce n'est pas, ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu de nous donner les socs. Vous avez compris? Je vous dis maintenant la vérité. Hein? Ce n'est pas nous. Vous avez vu les socs en Europe ici? Vous savez que la plupart de vos médicaments qu'on vous, qu'on vous, qu'on vous met dans les hôpitaux partout, partout ici en Europe, c'est synthétique. Mais l'original de ça, c'est dans nos forêts. Est-ce que vous avez compris? Et vous pensez que nos ancêtres, que nos aïeux, se sont levés comme s'ils ont seulement su que les socs étaient bien? C'est parce que Dieu leur a montré dans la vision du, du vaudou. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a le bon vaudou, il y a le mauvais vaudou. Comme il y a les bons pasteurs, il y a les faux pasteurs. Donc il y a la bonne Bible, il y a les mauvaises Bibles. Qui se baladent comme les Makos, les Makos. Donc c'est vous de faire la part des choses. Mais tant qu'on est africain, on est appelé à se protéger. J'avais dit ici là que pour le poison, par exemple, vous voyez chez les bêtis chez les Boulou. Moi j'ai vécu, j'ai toujours dit 10 ans avec les mvinguedons, les, 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 les Ewondo. Là-bas, vous voyez carrément des villas où les gens se poignardent, Mais le vin est carrément posé. Donc vous voyez le vin, vous voyez le, le on appelle ça comment Le truc, le, 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 le palmier. Voilà, le palmier. Quand le palmier, on a enlevé le palmiste, qu'est-ce qu'on fait On coupe. Et maintenant, on, on fait un truc là, on appelle ça le vin de raffia. Et le vin de raffia, là, on le laisse exposer dans la forêt. Et les gens du village savent que ça, c'est le vin de raffia de Solangebi. Hein? Donc, ça veut dire que si j'avais mes ennemis, vous voyez qu'ils vont m'atteindre vite sur mon vin de raffia, non Ils vont aller verser tout ce qu'ils veulent sur mon vin de raffia, dans mon vin de raffia en brousse au champ, non Mais puisque j'ai mis donc les socs, que nos ancêtres, Dieu a montré ça à nos ancêtres, que les socs, si ça vous protège contre le poison... Quand on met les socs là-dedans, viens mettre tout ce que tu veux. D'abord les socs, tu entres en pharmacie avec les socs, ça gâte la plupart, voilà le matango, ça gâte la plupart des médicaments à l'hôpital. Donc Dieu nous a donné une puissance qu'on ne connaît pas. Moi, quand j'étais chez les Betty là-bas, quand j'étais euh, avec les Betty, hein? Il y avait des petits zèbres là qu'on prenait, on met ça dans les feuilles de bananier, on attache, on met sur la sangre on laisse, on met ça dans nos trucs, comme les suppositoires, comme les vagins, comme, on met ça dans le vagin par exemple, comme les suppositoires, et ça te nettoie. Donc, toi-même tu vois comment tu es propre. Que quand tu pars même dormir avec ton homme, toi-même tu sens, tu ne sens rien, donc tu es bien. L'homme même t'apprécie même. Donc, Ici, si on donne les suppositoires, on te donne les suppositoires, ça vient avec effet secondaire. Tu bois comprimé de ceci, ça te donne effet secondaire. Donc, nous, là, Dieu nous a bénis. Chacun doit avoir sa part de marabout. C'est comme ça maintenant. Parce que vous avez vu vous-même de vos yeux la méchanceté. Vous, mes élites, je vous prie vraiment, je vous dis la vérité. Hein. Ayez vos marabouts. Donc, que vous restez comme ça au pays, là. Si vous êtes en Bengla, hein, vous ayez vos marabouts qui vous protègent à distance. Oui. Vous savez, de temps en temps, mais on vous demande quelque chose, vous dites que vous ne connaissez pas, vous donnez quelque chose. Et comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, ayez, ayez vos que sel. parce que je vous dis la vérité. Et parfois, je mets, mets l'ail, cette ail, cette gousses d'ail, je mets ça en bas de mon oreiller. Et parfois, le clou de girofle, je pique le clou de girofle sur un demi-ciclon, je dépose ça là-bas. Et de temps en temps, je mets le sel dans tous les coins de ma maison. Le sel ne coûte même pas 100 francs. Donc, le sel de 100 francs là, ça va te protéger même pendant 7 mois. Ça va te protéger même pendant 7 mois. Ma chérie coquille, si tu veux appeler, tu appelles ça, mais elle va me passer l'information. Parce que moi, j'ai désactivé mon Messenger, mamie, pardon. Parce que tu sais, il y avait déjà des gens qui venaient m'envoyer les photos de Nathalie Babalé. Franchement, ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste parler à la vieille mère laquelle qu'elle doit laisser les enfants tranquilles. Tu comprends? Je ne voulais juste parler à Nathalie Babale, qu'elle doit laisser les enfants tranquilles, attiser la haine sur Facebook. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Regardez maintenant ce que ça a causé. Hein? Si dans le moment que j'avais dit de laisser les haines là, que la vieille mêle aussi n'avait pas appelé la mâle Chopal là sur sa télé, ce qu'on est là où nous sommes là maintenant aujourd'hui. Hein? Qu ce qu'est-ce que nous sommes? Désolé, quelqu'un m'a appelé. Est qu est ce qu'est-ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Maman, mamie frigo, frigo de, du Canada. La haine, la haine, la haine. La haine t'a donné les scènes, tu ne peux pas te réveiller le matin, tu ressembles au cadavre, tu ressembles à je ne sais même pas quoi à cause de la haine. Parce que la haine là, on dit que la beauté, ce n'est pas physique. La beauté, elle est intérieure. Quand tu es une belle personne, tu es une bonne personne, tu es en harmonie avec toi-même. Parce que l'harmonie avec les gens, ça ne vient que quand tu es en harmonie avec toi-même. Quand vous voyez toutes ces sorcières-là, c'est parce qu'elle-même, dans elle-même, elle se bagarre. Donc, elle-même, dans son propre corps, elle n'est pas en harmonie. Mettez la paix dans vous et vous verrez que la paix extérieure vient tellement facilement. Parce que tu ne peux pas détester quelqu'un. Euh, mon petit Benjamin, t'inquiète, hein, moi je suis l'impacteuse et moi je peux même vivre avec le serpent je ne veux pas détester ce serpent mais je veux le ramener à la raison tu comprends donc même si quelqu'un peut venir en tant que sanguinaire dans mon inbox tout ce que j'ai cette puissance là de ramener les gens vers la raison parce que je dis la vérité et j'ai signé le pacte de dire la vérité donc quand c'est Bleu, je dis c'est bleu. Quand c'est rouge, je dis que c'est rouge. Je ne connais pas moi mentir. Si tu es ma personne, ne pas pas déranger les gens. C'est que je veux tourner mon dos contre toi et devant les gens. Je n'ai pas honte pour l'autre là. Hein? Parce que si toi-même tu réfléchissais, tu allais comprendre que je ne veux pas salir l'impacteuse parce que. Et je, je, on, et je connais qu'elle a les supporters. Zéro. Je ne supporte pas moi les bêtises. Et ne me supporte jamais dans la bêtise. Je dis refuse. Je dis que je refuse. Tu vois des vieilles mères comme ça, mon frère. Les enfants ne savent même pas quoi faire aujourd'hui. Hein? Les grands, même les personnes âgées, la plupart des personnes dans la diaspora, si on leur pose la question, est-ce que vous voulez rentrer au Cameroun sur dix personnes, ne vous diront que oui, je veux rentrer au pays. Parce que elles ont déjà eu ce qu'elles voulaient. Elles voulaient aussi voir l'Europe. Ces personnes voulaient aussi vivre un peu l'Europe. Elles ont vécu, elles ont vu que ce n'est pas ça qui est quelque chose. Le matériel n'a jamais été quelque chose. C'est ce que tu as autour de toi. C'est la façon dont tu avais les gens et la façon dont les gens sont avec toi. C'est ça qui fait la vie d'un être humain. La plupart des gens de la diaspora te diront que même si c'est dans mon village, je préfère aller rester là-bas, je mange le manioc. S'il y avait les hôpitaux au Cameroun, je parle, vous deux autorités, vous écoutez. Si on avait fait même des quêtes, des djangi-djangi, on dit qu'on met chacun même 500 euros. Vous croyez qu'on ne va pas ouvrir quel hôpital mondial là-bas dans le Cameroun À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à, à Eborova, Partout là. On ne peut pas faire quoi si on se met ensemble. Mais dans le positif, on va faire quoi qu'on a laissé la place à la haine. On a laissé la place à la destruction. On a laissé la, pa, la, la place au manque de, 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 de s'ennuyer. On doit s'ennuyer pour mieux réfléchir. Quand tu t'ennuies, tu entres dans un état de réflexion. Tu réfléchis par rapport à ta vie. Tu réfléchis par rapport à ton évolution. Et tu réfléchis même par rapport à l'évolution des autres personnes. Et c'est pour ces raisons que j'ai toujours dit, la beauté ne vient pas de la beauté physique, ça vient de la beauté intérieure. Voilà pourquoi vous allez voir souvent certaines personnes que même l'acide s'est versé sur cette personne. Ou bien vous allez voir un monsieur ou bien une femme. Une femme qui est tellement belle, mais elle avait un monsieur qui est tellement laid. Ce que nous on pense, bien évidemment, c'est la, la laideur extérieure que nous on voit. Et qui nous avait même dit que la personne était laide. Je ne sais pas, c'est ce que c'est la conception. De l'être humain. Hein? C'est la concession, c'est la conception de l'être humain. Maintenant, vous venez là. Tout ce que vous montrez à vos jeunes sœurs, tout ce que vous montrez à vos jeunes sœurs et à vos jeunes frères et à vos tantes, vos oncles, vos tontons et tout, moi mes oncles, mes, mes oncles et mes tantes me regardent sur Facebook. Mais n'auront jamais honte de moi quelque part. Même mes petits frères me regardent sur Facebook. Même mes frères-là qui sont mes ennemis, qui pensent qu'ils sont mes ennemis-là, ils me regardent. Mais ils ne peuvent jamais avoir honte de dire que je suis le frère de Solange B. Pourquoi Parce que je ne pose pas la honte sur Facebook. Je ne pose pas la honte sur mon passage. Même s'il faut poser la honte pour vous-même, esquivez parce que vous avez les gens qui vous représentent quelque part ailleurs. C'est quoi ces façons-là Hein C'est quoi ces façons-là les gens accouchent leurs enfants pour que vous devez venir leur montrer la haine sur Facebook. Hé hey, Les vraies personnes de Facebook qui sont perpétuées, Flo, Ils ont dit que la, la haine est finie. Donc, il n'y a plus de haine. Allez dormir ailleurs, mon frère. Ce sont elles-là qui vous ont, comme vous dites souvent, fabriqué Économiquement. Mais on elles ont dit qu'elles que dans la paix. Donc, soit vous suivez l'église de la paix, soit vous vous cassez. Parce que vraiment, les gens ne sont pas intéressés par toi, loulou. Vrai, vrai. Quand toi-même tu regardes, regarde un peu tes postes que tu peux faire quelque part. Si tu fais par exemple un post de publicité ou bien un post de qu'est-ce que tu vois, que tu n'as même personne. Tu as vu, non? Donc, en fait, même quand les gens te regardent en vidéo crier, c'est parce qu'ils veulent voir la folie, le, ton degré de folie, ton degré d'imbécilité ton degré de et de jalousie, c'est ce qu'ils veulent voir. C'est pour ça que tu peux voir, même peut-être, tu as peut-être 500 ou tu as 100 000 vues ou tu as 30 000 vues. Mais tu as vu quand tu fais un poste seulement, tu as vu que tu as qui Tu n'as personne. Il faut se dire les vérités. Parce qu'il ne faut pas que il ne faut pas que parfois, on laisse les filles là se tromper. Tu vois que tu n'as personne. Il n'y a personne là qui te soutient. Et tu as vu que toi-même, tu t'es donné un spectacle. Dieu te punit en spectacle. Tu fais, tu pisses. Tu fais, tu pisses. Oh, ching. Tu tu pisses. Mais tu pisses. C'est ça le problème. Et puis après, je vais te dire un truc. Demande à, à Michael. Donc, vos conneries là, tes conneries, toi et ta petite. Moi, je ne regarde jamais les conneries pareilles. Donc, vous pouvez parler. Je suis Solange B. C'est Bakofa. C'est ton oncle qui était trésorier public au Cameroun. Un grand monsieur du Cameroun, Bakofa. C'est lui qui t'a dit que même lui me respecte. Est-ce que tu as bien compris Je suis Solange B. de Manchester. Donc, je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Et tu pars à Kribi, tu auras mon A1. Et ça sera propre. Peut-être y a les gens de Kribi dans mon Facebook. Même dans le live il y a des gens de Kribi. Mon, mon nom dans Kribi, c'est propre. Je suis celle-là qu'on dit qu'elle a fait, elle a fait, elle a fait. Mon nom dans Facebook, c'est propre. Parce qu'il y a les gens indirectement. Même derrière, derrière, dans Facebook. Même en conseil, j'ai aidé. Même financièrement, j'ai aidé. À Douala que j'ai grandi, pareil à Manchester où je suis là. Encore pareil. Tu comprends Donc il faut avoir un schéma. Il faut avoir un, une route dans ta vie. On ne fait pas une vie désordonnée. Et c'est toi qui viens écarter tes pieds ici, là, devant mon dos-vision. Tu dis, tu, 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 penses, tu penses souvent que quand tu dis que tu as fait le déo, tu as fait l'aventure, là, que c'est propre pour une femme, c'est trop sale. Il faut cacher ça. J'ai fait le Tchad. On connaît déjà ce que tu as fait au Tchad. Tu partais fréquenter. Non. Tu partais travailler. Non. Tu partais te écarter tes fesses. Et les Tchadiens ont saboté ça. Parce qu'ils boivent leur berry ou c'est péri-péry ou c'est berry berry là pour gonfler leur pénis. Ils t'ont fini le vagin. Ce pas le problème de quelqu'un. Après, comme ça ne suffisait pas, tu es parti au Gabon. Après le Gabon, la Guinée, quoi. Toi-même, quand tu rencontres ton parcours là, tu as même honte de toi-même. Jusqu'à ce tu que viens, tu t'assois, tu fais télévi euh, télévision, que quoi, quoi, euh, quoi, quoi, télévision à fait quoi. Tu peux faire quelle télévision? Tu peux faire vraiment quelque Tu peux faire quoi qui est bon? Avec un parcours pareil, on cache. Avec ton parcours là, on cache ton parcours. Oh non, ma Samène Michael, vraiment, nous tous ici là, nous tous là, avec mes élites, on te félicite. Parce qu'aujourd'hui, j'étais sorti dans la merde totale là. Tu appelais, voici Samène Michael, tu l'appelais le matin. Njong, Njong, je vais faire le direct. Il faut partager, il faut partager pour t'asseoir devant Njong et insulter les gens. Tu penses que Njong est connu. Njong de Samuel Mikael, elle, elle est très connue à, à, à Kribi. Tu n'es même pas connu comme Mikael à Kribi. Mikael a sorti avec les préfets de Kribi. Mikael a sorti avec les commissaires de Kribi partout, partout. Mikael a un nom à Kribi. Et puis on voit Mikael sorti avec les maires. On voit Michael David, on voit Michael tous les jours, on appelle le, le nom de Michael avec une femme qui est en train d'insulter les fesses des mères, des gens. Qui est en train d'insulter les gens. Tu ne crois pas que c'était souillant J'étais obligée de la dégager de ta merde. Aujourd'hui, Michael, c'est une maquilleuse premier niveau. Celui qui lui a pris le maquillage et qu'elle est son bras. Oh, dis donc, comment les gens m'appellent aussi Michael, aujourd'hui, elle est une maquilleuse de premier niveau. Avec le garçon, là, on l'appelle, c'est l'uris, quoi, là. Quand il fait même ses vidéos sur TikTok, même les Anglais, dès que je monte la vidéo, on le connaît, il a à 5 millions de vues dans ses TikTok. Sur YouTube, c'est la magie. Partout, c'est la magie. Michael est son bras gros aujourd'hui. Je lui ai dit que voilà les gens avec qui tu vas marcher. Parce que quand tu vas marcher avec lui, il va te pousser avec la meilleure maquilleuse. Demain, quand je vais te faire venir en Europe, parce que toi-même, tu sais que tu dois venir en Europe, tu vois que tu vas gagner ton argent. Que de que tous les jours, pendant près de 8 ans, on t'appelait pour aller partager les directs, pour insulter les gens. Hein? Tu montes les perruques. Bientôt, tu seras premier pour faire les, 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 les cils. Hein? Tu as vu comment on fait monter quelqu'un, ma mamie hein? Tu as dit qu'elle a raté avec toi. Tu es quoi d'abord Toi-même, tu es raté. Elle a raté d'être ratée comme toi. Tu as raison, elle a, tu as raison de dire qu'elle a raté. Hein? Qu'elle a raté ce que tu devais faire d'elle. Tu devais faire d'elle une ratée. Elle a raté d'être ratée par toi. Bah, 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 dis donc. Tu vois, j'aime comme ça. On me dit, comportez-vous, ne se comporte pas. Comportez-vous, ne te comportez pas. J'ai volé le corps de ton père pour, de mon père pour vendre. C'était le corps de ton père, mamie. Ou c'est quoi là, ma Tanja. C'était le corps de mon père et j'ai volé, j'ai vendu. Va vendre pour ton père. Ça te dérange quoi? Tu as dit bien mon. Donc c'est l'appartenance. M-O-N, mon. J'ai vendu le corps de mon père. Va vendre pour ton père. J'ai vendu tout. Même, donc, jusqu'à l'orteil de mon père, j'ai vendu. Va vendre pour ton père. Hein? ce quel conflit. J'apèse quel conflit. Quand on parle tous les jours, tu, tu, tu vois tes mères de écoutent. Quand on parle tous les jours, tu vois tes mères de l'écoute. Même Flo et Perpétue, qui est leur patronne toute tout là. Elles ont écouté, elles ont compris. Tu les vois encore dans les trucs là C'est qu'on vient les attaquer, elles aussi elles font... Mais quand elles font même, tu vois, c'est comme la comédie. Quand tu vois encore les directs, peut-être que de, 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 de perpétuer et de flot, c'est comme, les, 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 comme les, les, en fait la comédie. Donc tu sens que c'est un truc qui n'est pas profond dans elles. Regarde comment je parle, même je suis contente. Elles vous font même rire dans leurs dans leur, dans, dans leur réponses de clash. Tu sens que les filles là ne sont plus dans ça. hein? N'importe quoi. Dis donc. Hein? On vous dit. Hein? Ok. Elle a refusé d'appeler qui Est-ce que je demande. Où oh, c'est Glory Hope C'est à moi que tu t'agresses. Est-ce que je demande à quelqu'un si je suis mis J'avais dit déjà dans un de mes j'étais mariée à un milliardaire pétrolier. Donc déjà ça. Et c'est avec preuve à l'appui. Donc de cribuie. Jusqu'à Manchester, ça fait preuve à l'appui. Donc directement déjà, ça me met dans le cadre de milliardaire. D'accord Millionnaire en, 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 en pound. Donc milliardaire en France Eva. va. Tu as compris Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas celle-là qui va prendre mon argent, aller déposer dans un château, pour qu'après le château va me hanter. Je n'ai personne dans la maison, je suis seul. Je dois payer encore les bonnes pour venir nettoyer. Parce que je veux prouver quoi à qui Quand moi-même, je sens que je, je suis Solange, je suis l'impacteuse. C'est pour ça qu'on dit que quand vous voyez des gens trop dépenser, trop vouloir, c'est parce que eux mêmes ils ne s'assument pas. Donc eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont rien. Tu as compris, mamie? Donc va dire à celle-là que m'appeler sa milliardaire, ça ne me sert à rien parce que je suis. Donc, assez, donc ce n'est pas dans le Facebook, c'est en réalité. Et je suis mamie là qui fait tout, sans rien laisser. Donc tout ce qui me donne l'argent, je fais. Et j'impacte les gens à distance. Voilà, ça mène la preuve. Je l'ai pris en quelques, en quelques jours. Si tu vois ce qu'elle fait toi-même, tu vas fuir. Même ma fille ici-là. Même ma fille qui est ici, là. Qui, qui est ici aussi. Que je suis en train d'apprendre à faire, hein, à faire, à, à, à monter les perruques. Elle-même elle a dit que non, tu es forte. Que voilà, tu, tu, tu es en train d'entraîner quelqu'un à distance. Elle me dépasse même déjà moi-même qui est ici. C'est parce que c'est ça en fait. C'est parce que c'est ça en fait. D'accord En quelque temps, j'ai pris son John, Qu'elle dit qu'elle a raté, qu'elle devait la, Elle, elle a raté, qu'elle qu a raté, qu'elle a, qu a, que, euh, 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 a raté le fait qu'elle devait faire. De... Une ratée va faire quoi de quelqu'un si elle n'est pas de te rater, de te faire rater aussi hein? La preuve en est voilà ce qu'elle a fabriqué de sa petite soeur. <laughs> Vous avez vu ce qu'elle a fabriqué de mes petites soeurs non. Elles travaillent, elles ont des compagnies. Vous voyez ce qu'elle a fabriqué de sa petite soeur, non Comme elle est zéro dans Facebook, elle a aussi ramené dans sa soeur dans Facebook pour créer une page de zéro aussi. Et c'est déjà devenu la famille des zéros. Est-ce que c'est moi qui ai dit ou bien... Mmh. C'est moi qui ai dit ou bien vous-même, vous ne voyez pas. Là où elle a tiré sa petite soeur. Sa petite soeur travaille encore. N'est-ce pas, elle est aussi dans Facebook pour attendre les étoiles comme la grande soeur. Ha ha. J'ai dit que je suis la grand-mère. Grand-mère chez le père, grand-mère chez la mère. Donc, on ne m'a pas donné ça pour lui. On m'a donné ça parce que peut-être que j'ai aussi les trucs. Il y a la sagesse dans le cerveau. Vous n'avez pas vu maintenant ce qui se passe. grande sœur dans Facebook, petite sœur dans Facebook. Matin, midi, soir. Tournez. Donc, la grande sœur sera zéro, la petite sœur double zéro. Et ça sera juste une famille des zéro. C'est comme ça. Vous avez vu Achille Lambert là-bas, n'est-ce pas, travaille? N'est-ce hein? pas, travail? Télé qui tue la télé tue. Vous hein? ne parlez pas seulement que vous êtes une. <laughs> hein? <laughs> hein? Est-ce que je mens? Ce que je parle est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est est -ce est alors le mensonge? Hein <laughs> ma chérie, une perte pour une famille, toute ma famille en Europe, hein. et ma, mon, même mon frère que je ne parle pas, c'est lui le number one. Donc, on a dit que boîte de nuit dans Kribi, là, que ça bouge là, c'est sa boîte de nuit. Donc, quand tu regardes mon parcours, tu regardes ma famille, tu regardes ce qui est autour de moi, tu vois comment j'ai fabriqué mes gens. Donc, mon Benga a payé, mon Europe a payé. Lui qui, il n'y a, a pas deux boîtes de nuit à Kribi comme sa boîte de nuit. Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que tu as bien écouté? Et ma petite soeur, même la Lambert qui était dans les clashs, elle a au moins deux ou trois boulot, Donc, elle touche un bon salaire. Et mes autres petites soeurs, elles ont leur compagnie. Est-ce que tu as compris? Donc, je te donne un peu tout le répertoire de toute ma famille. Est-ce que tu comprends? Et mon petit frère, c'est lui qui est le président. Malgré que moi, je ne suis pas moi du RDPC, mais on est obligé de soutenir parce qu'on voit quand même l'enfant se débrouiller, ne vole pas. C'est lui qui est le président. Les jeunes du RDPC. Donc, quand tous les ministres là, Mbamba et lui, c'est comme ça. Le, 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 le sénateur Mbamba. Lui et, et mon petit C'est comme ça. Donc, quand le ministre arrive dans Kribi là, c'est mon petit frère qui est avec lui. C'est lui qui dit que les jeunes veulent ceci. Les jeunes veulent cela. Ça, c'est mon avant-dernier petit, petit frère. Donc, je te compte toute ma famille. Maintenant, le dernier né, c'est lui qui livre les plus gros porcs dans tout Kribi. Tu as vu les porcs, les cochons là? Il fait l'élevage. dont les longs cochons, longs châssis là, c'est mon petit frère. Et quand il vend, il ne vend pas moins de 300 000 par jour. Solange B, c'est l'impacteuse. J'ai déjà impacté ma famille, jusqu'à être fini avec. C'est pour ça que je viens sur Facebook maintenant impacter les gens. Donc, quand tu prends le répertoire de ma famille, il n'y a que le long tête à couteau qui est zéro. Donc, parce qu'il a tellement une haine dans son cœur. J'ai tout fait pour l'autre là. J'ai acheté au moins cinq taxis. J'ai ouvert au moins trois quincailleries. J'ai acheté au moins que quatre tronçonneuses. J'ai fait tout. Mes frères, mes soeurs, je suis fatigué. Il n'y a que l'autre là. Mais même jusque là, n'est-ce vous voyez l'encre construit sur mon terrain. Ça veut dire qu'il fait n'importe comment il roule quand même dans une voie. Donc, je t'ai parlé là de, du début, donc du premier né de ma famille jusqu'au dernier. Je dis bien dernier. Celui qui a dit que c'est le plus grand vendeur de porc, le plus grand éleveur des porcs dans Kriby, là, c'est mon petit frère. Donc, tu as vu que tout le monde a réussi, non, financièrement. Donc, c'est ça qu'on appelle pousser, tirer les gens vers le haut. Voilà alors le résultat de vos repas. Ces frères sont encore là-bas au Cameroun en train de galérer. Voilà, ça part de petit, soeur qui est parti, sorti, jusqu'à mettre bis sur ça sortir une télévision une petite bien, qui se respectait pourtant super bien voilà le résultat voilà le résultat jusqu'à j'entends qu'une petite comme ça m'a insulté vraiment elle veut me placer par où de quel côté pour pour répondre à une petite que j'ai connue dans des bonnes conditions une petite qui se comportait très bien tout ça c'est toujours la faute de sa grande sœur c'est la faute de qui sa grande sœur lui a dit comment j'ai rencontré telle personne hein? vraiment tu vois les clips de Facebook si ça paye hein? Ça paye et puis on voit, la, on voit alors ça sur toi. Quand on dit que ça paye, on voit la bosse Dit que Si je dis que je veux descendre au Cameroun, je vends une maison ici à 350 000 euros, je vends, je mange, je sors un duplex, même à Denver, même à Bonaprizo. C'est comme ça qu'on parle. On voit une bosse de qui se lève le matin pour travailler. Si c'est les ongles, elle fait. Si c'est les cheveux, elle fait. Si c'est l'injection des gens, elle fait. Si c'est euh, 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 former les gens, elle fait. C'est comme ça on parle l'exemple. Il faut être l'exemple. Tu as trop gâté ta petite. Donc, tu as détruit toi-même et tu as détruit ta petite. Tu voulais détruire Njong. Tu es malade. J'ai arraché Njong Et Njon ne viendra plus jamais vers toi. Jamais plus. Tu ne verras plus jamais Njong. Njong c'est une femme entrepreneur. Et Njon sera en Europe bientôt. Et je te lance un défi. Après deux ans, j'ai imposé à Njon que dès qu'elle arrive ici, elle me sort l'immeuble de sa mère. Pas les conneries que tu parles tous les jours. Mon père était commissaire, prisonnier, commissaire, priseur, les braqueurs du Cameroun, hein? les démarcheurs. Les pauvres, tu parles de quoi Va ranger la maison de tes parents. Que de venir créer les plateaux de télé, tu veux parler des choses que tu n'arrives, tu ne méprises pas, dis donc. Qu'on ne méprise pas, qu'on ne méprise pas qu'on passe former. Il fallait aller te former, même en quoi là Vous, vous appelez ça quoi, les animacristes Ça, Il fallait aller te former. Arrêtez un peu avec vos cochonneries là, dis donc, sur Facebook. Hein C'est quoi Hum hein? Hum hein? Pour mon château d'eau, quel château d'eau? Elle dit qu'elle veut des clients pour mon château. <laughs> ouais, tu vois que te bloque parce que là maintenant tu interromps mon Dieu, Parce que tout ce que tu dis là n'est que la, n'est tout ce que tu dis là n'est que la bois hein? Tu vois une femme comme moi, tu penses que vrai, vrai. Une femme comme moi peut vraiment, peut vraiment avoir tes petites paroles que tu parles là, que ça parle où? Ça, ça te touche que toi-même. Mais que le Seigneur apaise ton cœur. Qu'après le direct si. que tu n'entre pas dans tous les inbox. Dis comment tu vas me, tu vois non mamie donc vraiment. Déjà, les clients pour construire mon quai château d'eau j'ai déjà construit tout ici ma fille est propriétaire de deux maisons euh, un c'est euh, à 350 donc au moins 675 000 euros mamie payé cash tu as compris non ma fille donc l'avocate là elle a déjà ses maisons tu as compris voilà donc ne pense même pas que ce que tu bavades là je suis britannique tu as compris non voilà. Il, est, il, est mort, il est mort de la haine que le loi a commencé sur sa télévision. C'est ça qu'il est mort. Télévision de haine, c'est comme ça qu'on appelle ça. Que les, télévision de mort subite, là où ça cause la mort subite des gens. Quelqu'un l'a attaché hier, hier, elle avait mal. Elle se plaint que sa copine... Elle se plaint... Elle se hein? hum? plaint que sa copine... Elle est partie poser les questions à son ex copain Mais maintenant, elle a maté au chopin sur sa part de télé. Elle pose les, les questions sensibles pour qu'elle aussi, elle doit parler. Tu es méchant. Et je ne te mens pas. Ton karma, c'est en route. Et si ton karma n'est pas encore là, 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 je suis sûre que ton karma est déjà dans toi. Mais si ce n'est pas là dans toi, vraiment, de grâce, comme une soeur, comme une soeur être humaine, là, enlève sa vie de ton cœur. Sinon, ça va tout tenter, temps tirer. mal. Tu te jures, Je j'ai pas quelque chose contre toi, mais j'ai quelque chose contre la façon dont tu fais sur la toile. Ce n'est pas bien. Si on te regarde faire, parce qu'on a peur de mon cousin genre qu'on a parlé hier, donc on se, on se fréquentait avant. Ce que c'est pas bien. Tu comprends? Ce que c'est pas bien. Parce que je connais. J'ai vu la façon de méchanceté de jalousie que tu as voulu me faire. Tu es une petite. Dans ça, en âge de la oui, peut-être tu es vieille, mais en dans ça, tu es trop petite. Demande à Bakofa, non j'ai dépassé le niveau là. Ma petite, j'ai dépassé le niveau là. Parce que nous, on est les gens que si on dit vrai, vrai qu'on a un avec toi, je te détruis. Je te détruis, je te dis, tu ne dors plus la nuit. Mais ça me sert à quoi C'est ça qui va enlever sur ce que j'ai déjà cherché. Ou bien c'est ça qui va, qui va arrêter que je ne fais que chercher. Il y a beaucoup que peut-être si c'était comme moi, ça qui devait dormir matin, midi, soit ne ne être plus chercher. Mais je suis obligé d'aller chercher. Parce que si je ne pars pas chercher, le monde change très vite. Vous n'avez pas, pas encore vu les gens qui avaient déjà atteint, atteint les, les milliards en, 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 héros, en héros qui sont tombés en faillite. Il faut continuer tant que le sang là circule dans les veines. Mon père avait dit qu'il faut bouger. Il n'y a jamais là où quelqu'un est rassasié. Parce qu'on ne sait pas demain. Voilà, c'est comme ça. Non, elle a trop de haine. Trop, trop de haine. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Ça n'a pas de haine et de jalousie. Non, c'est immense. C'est immense. C'est immense. Hein? C'est immense. Ça part de jalousie est, et, et immense. Hein? Non, non, non. C'est que c'est à cause de ça. Non, non, non. Même les gens qui sont là en train de commenter, c'est pas parce qu'ils sont dans une team XY et qu'ils sont contre toi, non. C'est parce qu'ils sont là dans la vérité. Ça fait mal. Parce que ça peut être eux demain. C'est quoi? On ne peut plus être Facebook tranquille. Parce qu'on vous a dit qu'on ne doit pas aller dans Facebook parce qu'il y a une petite portion de personnes qui ont c -c transformé Facebook en poubelle. Mon frère, même Bill Clinton est sur Facebook. Même Paul Billet est sur Facebook si c'est écrit. Merde, c'est quoi? Même Beck, lui, bébé, il est sur Facebook. Elon Musk, il est sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook vous pensez que vous allez faire jusqu'à... Les gens vont dire que... Comme parfois, je voyais les gens dit Ah, moi, je suis pas sur Facebook. Hein. Mon frère, tout le monde est sur Facebook. Et on ne va pas sur Facebook parce que vous, une petite une petite poignée de personnes misérables, ont décidé de rendre Facebook la poubelle. Mon frère, il y a les bonnes et les belles trucs. Il y a les jolis trucs sur Facebook. Hein? Mon problème avec Lolo, mon problème avec Lolo, c'est qu'elle est une haineuse. Et elle entraîne trop des gens dans la haine. Vous, avez, vous allez bien voir que sur sa page, sur son mur de Lolo, hein, vous allez seulement voir qu'elle partage les, les vidéos des gens qui sont dans la haine contre X ou Y. Oui, c'est comme ça qu'elle est. Quand tu es dans la haine contre X Y et que tu la supportes, elle te met sur son mur. Mais si ce n'est pas ça, jamais tu ne vas pas... Si tu fais quelque chose de bon, que tu veux qu'elle te propulse vers le haut, elle ne va jamais te mettre sur son mur. Jamais de la vie. Donc c'est la méchanceté. Allez, il faut souvent, il faut souvent regarder les choses et vous faites une analyse. Vous avez compris, non? Vous faites, vous analysez. Je dis que allez son mule Vous verrez que tout ce qu'elle partage là-bas, ce sont les gens qui crachent X Y gratuitement parce que. On est en train de la soutenir. C'est comme ça. Et elle va te partager comme ça pour te donner le courage. Que bon, voilà, tu as eu les vues, non? Tu as vu que tu as eu les vues, non? Comme ça, tu vas continuer que dans la haine, toi, ça te retarde dans l'aider à y et ça retarde l'autre aussi. Vous parlez de quoi? Je suis boss lady, je suis dans Facebook et je vais te caler là. Et je vais vous contrôler. Elle me Comment ça dit donc? Puisqu'on fait, on parle de chaîne télé. Il a dit que pendant qu'on parle, là, dès qu'elle dépose mon direct, allez sur son mur, vous allez voir. Voilà, vous allez voir ce qu'elle encourage, ce qu'elle partage sur son mur. Il n'y a rien d'information de bon que vous allez voir sur le mur là. Donc, c'est comme ça qu'elle elle fonctionne, elle part. Hein? D'accord ma chérie, 10 minutes. Donc, il est quelle heure là Dis-moi quand il doit... Oui, ok, à 14. D'accord, à 14, hmm? 14 j'arrête. Hein? Regardez comment... On ne dit même pas fabriquer quelqu'un, on dit pour quelque quelqu'un bien donner une information. C'est le genre de personne que si elle voit même une information quelque part qui est bien, qu'on a dit que, par exemple, pour faire dormir ton bébé facilement, il faut faire... Elle va cacher. Elle ne va pas partager ça sur son mien. Elle ne va pas partager ça dans ses inbox. Elle va seulement garder pour elle. Mais maintenant, vous avez vu le monsieur qui est là-bas. Vous avez vu un petit là qui avait souvent une cuisine rouge comme ça, là. Il s'appelle comment Il dit souvent un truc comme Zani, 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 là. Et partager ces dirait tous les jours un père comme ça tu sors d'où un père pareil mon frère si ce n'est pas que c'est parce que c'est la haine et qui te soutient donc tu es tellement désespéré que tu veux même l'affirmation des des, des des gens pareils et vraiment on appelle ça une bassesse patentée donc une bassesse au niveau même hein le gars qui dit souvent Zani, Zani, zanni, zani, zani, zani. il est dans une cuisine rouge comme ça voilà le morgue tu as raison hein? le morgue la voilà elle va partager ses jets parce que maintenant, elle voit que, elle voit que celui-là insulte les gens, qu'elle est partie provoquer, parce qu'elle provoquait, ne la voyait pas comme ça, comme ça elle était partie mal parler de moi, chez l'une de, dans son groupe là-bas, et une personne de son groupe est venue me dire, et j'ai donc demandé j'ai voulu me fâcher contre, Samen euh, euh, Samène que, ah! Moi, je pensais que toi ici là, tu es au moins une personne responsable. C'est quoi que Lolo pas parlé dans son, dans son mur là-bas qu'il ne faut pas partager mon livre, il ne faut pas commenter sur mes trucs, sur, sur, sur mes posts. Mamie, on commente sur mes posts, ça me donne... C'est que là où on est là, on est en conversation, on est en train de chercher une solution. Quand on vient dans Facebook, on fait une vidéo, on fait un live, c'est parce qu'en fait, on veut trouver des solutions. Il n'y a jamais de problème sans solution. Hein? On veut se concerter. Hein? Maintenant... Comme c'est comme ça, elle part là-bas, elle fait semblant de l'aimer alors qu'elle ne l'aime pas. Une gros tribaliste. Donc, quand on dit je sais de quoi je parle. Tribaliste jusqu'à la moelle épinière. Toujours en qu'elle met la pression sur les petits miettes de personnes qui la suivent pour, 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 pour qu'on doit lui donner l'argent. Va travailler. Sors de chez toi, tu pars travailler. Personne n'a pris le billet d'avion pour venir en Europe dormir. Quand tu prenais le billet d'avion pour venir ici-là. Soit tu peux bordé comme tu bordais d'habitude, tu prends toi, hein, arrête de mettre la pression sur des gens, tu avais mis la pression ici sur une fille là, qui était l'une de tes followers là, la petite là, elle m'a appelé ici en pleurant, qu'elle t'a envoyé même 70 euros, tu dis que c'est petit, elle me c'est petit, tu peux donner quelque chose à quelqu'un, tu peux filmer là où tu as faussé un envoi à quelqu'un de tes gens, de tes fans, on a vu une méchante femme derrière derrière les, les femmes de son cru là parce que c'était Samuel Mikael qui faisait un peu tous les partages et les clics, on dit qu'on va cotiser que la, la fille de Samuel Mikael a accouché tu dis derrière derrière non les chéris Jobs sont partis donner l'argent à Samuel Mikael derrière derrière Appeler d'autres personnes pour donner l'argent à sa mère Mikael derrière, derrière. Même ta, 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 ta soeur que tu appelles, ou c'est quoi, quoi, la reine de, la reine mère de tes là. Elle-même, elle a voulu envoyer l'argent derrière, derrière. Elle-même, elle est fatiguée de toi. Tout le monde est fatigué de toi. Tu vas finalement rester sans parler. Tu es trop haineuse. Je t'avais déjà un jour appelé comme ça pour parler des gens. Je parlais seulement comment on peut faire progresser ta télévision. Mais voilà la télé là que tu as, que Dieu a finalement puni ça, que voilà que ça a causé la mort de quelqu'un. Oh, le karma est. Le karma est. Hein? Prétendu pasteur, là-bas, c'est un pasteur. Un homme qui vient avec ses test avec deux testicules et un pénis entre ses jambes. Les tétestes, on appelle leurs là, comment leurs hormones des hommes là. Avec tous les hormones des hommes. S'il en a même. Tu viens au milieu des femmes, tu es tout là. oui, oui, oui. Parce que tu veux les vues. Parce que tu veux les likes. Parce que tu veux qu'on dise que. Euh, euh, parce que tu veux montrer à Lolo Fondia, que tu la supportes. Tu supportes quoi comme ça? Un homme, un père de famille comme de ton état. Il faut te respecter. Hein? Un moment, il faut bien te respecter. On règle les comptes en quoi? Je règle les comptes avec une personne comme ça. C'est l'impact. C'est l'impact de dire aux gens, à élites, que ne supportez plus les personnes qui disent qu'ils sont à la tête des teams quand ils savent, quand vous savez qu'ils ont tort. Ne les supportez plus. C'est même dans des problèmes comme ça qu'on doit vraiment éclairer les choses. Si on avait éclairé les choses depuis, ce que les choses comme ça ne sont, ne sont pas arrivées. C'est que les choses pareilles ne sont pas arrivées. Vrai ou faux C'est quoi Vous voulez qu'une autre victime tombe ailleurs vous pensez que quand je viens ici là je parle de mes problèmes avec ma famille c'est parce que je veux trop parler de ma famille sur facebook c'est pour vous dire à vous qui seront des victimes demain qui ont été des victimes hier et qui sont des victimes aujourd'hui que quand ça arrive ça ne veut pas dire que vous allez déprimer ça veut dire que ce sont eux les sorciers et ça veut dire que vous n'allez ce n'est pas de votre faute si que famille se comporte comme ça envers vous c'est pour montrer l'exemple en fait Même s'ils ont étalé leur vie sur, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle était est obligée donc de réveiller ça Est-ce qu'elle était est obligée de réveiller cette peine-là, cette douleur-là hein? Merci, merci Nikita Fernandez, merci. Je prends mes cœurs, je ne prends pas que quoi. Je suis né de la sagesse, je suis né de Mba Albey. Je suis né de la sagesse et je suis allé à l'église jusqu'à l'âge de 8 ans. Beaucoup. Donc on dit beaucoup, beaucoup là. On me réveillait à 5 pour aller à l'église. Dans la Bible là, je ne savais pas la lire, mais j'écoutais beaucoup de choses. Et dans toute la Bible là, ce que j'ai compris, c'est que tu dois être amour envers ton prochain. Tu dois respecter ton prochain. Tu dois être gentil envers ton prochain. Et dans ça, ce que tu as rempli, toute la Bible, tu n'as même plus besoin de lire un seul passage de la Bible. Tant que tu l'appliques tous les jours, c'est quoi la haine tous les jours il faut qu'on expose... Parce qu'en fait tu sais... La, euh, euh, comme lolo Elle pense que ces petits jeux qu'elle fait là... Qu'on ne voit pas... Vous, tu, si tu la regardes... Tu vas voir... Il faut commencer à la capturer... Hein. Vous m'envoyez... Je vais déposer sur mon mur... Chaque fois que vous la voyez dans un post... Ou bien une vidéo... Où elle est ancrée dans un direct... Faire le Congo... Ça vous... Vrai vrai... Vous m'envoyez ça... Vous envoyez soit à moi... Soit à Samane Mikaël... Je prends ça... Je dépose ça sur mon mur... Pour lui montrer... En un mois... On va lui montrer combien... De direct, elle est partie ancrée dedans pour qu'on ne voie pas qu'elle a lancé le direct de la haine. On, mon, on lui montre combien de fois elle a fait la haine pendant un mois. Et on lui montre combien de fois le karma va ancrer dans sa vie pendant un mois. C'est quoi ça, dis donc? C'est quoi ça? On parle, les gens ne font que vouloir parler? C'est quoi? C'est la malchance, c'est la magie? C'est la malédiction? On balogue dis donc. On dit aux femmes que vous avez grandi, vous avez les vieilles femmes. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui vous envoyait aller faire les aventures. Hein? Vous étiez les enfants des riches et vous allez en aventure. Un enfant d'un riche va en aventure comme ça, pour faire la bordellerie. Question dont vous parlez, vous vous concrétisez vous-même. Un enfant de riche, d'un commissaire priseur, ne peut pas aller en aventure comme ça. Donc Tchad, au Gabon, au Guinée. Ça, c'est pour les souffreteurs, les gens qui souffrent, qui se cherchent, qui ne mangent pas, qui ne prennent même pas le petit déjeuner. Apprenez à aller parler vos conneries, là, aux gens qui ont, qui ont la boîte à la place du cerveau. hein. C'est quoi ça? On fait tout le monde. On ne doit pas être commissaire prison. C'est un, un plaisantin. Merde. L'enfant d'un riche peut aller au Gabon. Tu sais que tu vas aller rencontrer quoi au Gabon, mon frère? Tu sais que tu vas aller rencontrer quoi au, au Tchad et en Guinée équatoriale? Tu sais, c'est toi qui es en Guinée équatoriale. Parfois, quand je regarde, je dis que, ouais, well, la fille, si elle connaît même que ce qu'elle fait, là, elle se souille même à la profonde, à, 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 au, plus, au plus profond d'elle. Tu peux voir l'enfant d'un riche aller partout, partout comme ça, là. Hein? Ah. Je dis que maintenant, elle fait vous enregistrer et vous vous enregistrez et vous fait les captures. Je dépose, vous m'en vous envoyez à sa Mika. Je dépose ça sur mon mur. C'est comme ça maintenant. On va lui montrer elle-même que son jeu qu'elle joue là. Si elle pense qu'elle est, qu elle est, elle est où c'est la police Nous, on est le FBI et le CIA mélangés. Voilà, c'est comme ça. Donc avant d'agir, on a la sagesse dans le cerveau. Elle va entrer dans tel. Et c'est comme ça qu'elle fait. Dès qu'elle sent que tu la soutiens un peu, elle entre dans ton direct. Comme ça, elle croit qu'elle te donne de poids. Donc, elle fait que, elle dit aux gens, partagez son direct, hein. C'est parce qu'elle veut comme ça que tu dois voir que tu as eu les vues. Maintenant, comme tu as eu les vues, c'est avec ça qu'elle t'attache maintenant que tous les jours tu dois faire les directs pour insulter les gens à son honneur. Comme ça, elle, 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 elle te montre qu'elle, elle a le vu. Les vues dont le salaire de ça, c'est qu'elle te donne les vues et elle te tire vers le bas dans la haine et dans le clash de fesses. Mouf, imbécile, élève tes enfants, dis donc. Et où ouais, à fois, tu pars te faire inséminer, tu accouches un enfant et puis tu connais ce qu'on appelle la souffrance d'accoucher un enfant et d'élever un enfant. C'est quoi ça, dis donc? L'enfant de ton frère que tu as appris, tu as tout gâté. Toujours en train de crier devant l'enfant. Manque de respect pour ton, pour ton propre enfant. Dis donc. Et toi, celle-là qui est au Cameroun, mon frère, va manger les, 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 les. Il y a les hérissons, il y a le, le fossé. il y a les viandes de, de brousse. Il y a le, euh, les trucs d'eau douce. Il y a, il, il a là-bas à Kribi, il y a le poisson frais de Kribi, il y a les gambas. Mon frère, mange ça, tu nous laisses tranquille, nous dans le froid. Nous, on est encore, nous, dans la souffrance de l'Europe ici-là. Vite ta vie là-bas, tranquille. Je ne sais pas ce que tu fais toujours dans les clashs de Facebook. Ce que tu cherches, je ne sais pas. Tu as vu, elle t'a flatté quelques temps. Est-ce que tu vois encore depuis, elle poste tes chaussures Elle poste encore les habits, les sacs à main. Lolo a une façon de marcher. C'est une... ma Ou c'est ma petite, ou c'est ma grande. J'étais sainée. Et je te dis, on va te calmer dans Facebook. Je dis qu'on va encore te dire, parle, tu vas dire non. Est-ce que tu as bien compris? Tu es méchante. Même la femme que les gens ont insultée ici, c'est Wakatolo, c'est une belle personne. Quand tu vois la femme derrière, c'est une belle personne. C'est toi qui l'as. Ma Waka, ma Waka, rien que pour l'encrener dans la haine. Mais est-ce que tu as partagé? Quand elle aussi, elle lance le direct, comme elle partage pour toi. Toi, tu partages pour Wakasu pour toi? Non. Mais ben, tu es une jalouse. Tu es une jalouse. Tu sais que. Waka peut avoir plus de visibilité que toi, mais tu la caches, tu, le, tu la camoufles pour qu'elle reste derrière toi. Tu es méchant, on te connaît ta stratégie. Mais la dame t'a dit qu'elle ne veut plus ancrer dans la haine. Tu vas jouer ta haine là seule. Tu vas manger ça, tu vas te piger, tu vas pisser la diarrhée de ça devant nous ici là. Tant que tu ne sors pas dans la haine là, c'est là-bas dedans que tu vas caler. C'est là-bas que tu vas caler. J'ai quoi avec elle? Je lui dis, est-ce que ce que je parle là c'est le mensonge? Véronique à toi-même là, ce que je parle là c'est le mensonge? Vous avez peur qu'on parle de la vérité, c'est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. C'est parce qu'on dit à quelqu'un, demande à quelqu'un de se calmer. Elle ne se calme pas. Maintenant, on lui dit ça à la bonne façon. On lui dit à la bonne façon, je suis une bandite. Je dis que quand on dit que bandite, là, je suis bandite. Et quand on dit dérégler là, je peux me dérégler. Donc moi-même, j'ouvre ma tête. Mais tant que je n'ai pas dans la bouche ici là. J'ai pris le don. Je ne suis pas là chez le dentiste pour enlever. Je n'ai pas de dentiste en Europe. Ici en Angleterre, le dentiste c'est gratuit. Mais je n'ai pas, je refuse. Quand ça ne va pas, moi-même, je prends le, le... On appelle ça quoi le, le, on, euh, le La pince. Je casse ça à petit à petit jusqu'à tirer comme ça là. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Je dis timbré. Ah, les trucs comme ça. On parle, vous parlez les trucs que vous pensez que ça Quelqu'un va vous lire arrêter. C'est quand vous parlez même comme ça que je vous dis même encore plus vos vérités. Donc, si vous êtes même ça, vous vous calmez là-bas et vous écoutez ce que je dis. Si ce que je dis, c'est le mensonge, vous dites que j'ai menti. Est-ce si que j'ai menti? Allez sur son mur, dès après mon direct là. Allez sur son mur, vous voyez si elle a partagé des trucs de mato Chopin quand elle savait qu'elle voulait attirer Matt Chopin vers sa télé. C'est comme ça qu'elle elle a fait la même chose à Chantal là ici. Hein? Elle a fait la même chose à Chantal ici. Et à vous-même, c'est ce qu'elle fait. Elle n'a rien à foutre avec vous que vous dites que Team de l'Olomania. Attendez, faites c'est un petit, une petite erreur. Vous dites que voilà, je suis malade, pardon, envoie moi même, même, sans héros. Elle ne va pas vous envoyer. Même si vous dites que le groupe de l'Olomania, ah pourtant vous même, vous êtes, vous faites partie du groupe de l'Olomania. Vous dites que le groupe de la l'Olomania peut causer, cotiser, me donner. Elle va bloquer. Donc c'est pour dire que même vous même, elle ne vous aime pas. Méchante jusqu'à la dernière punière. hein? Oui, le, non, non, non. Non, non, le, 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 le non. Le dentiste est gratuit en Angleterre. Comment? Comment tu je ne sais pas que le dentiste est gratuit? Dans, les dentistes sont gratuits ici. Pendant le Covid, là, on juste c'est juste un là qu'on a enlevé. Là, il fallait qu'on enlève. On m'a dit que y a, quand j'avais cassé ça, la racine était restée. On m'a enlevé ça gratuit. Tu appelles? C'est le 111 one, one, one maintenant que tu appelles. En Angleterre, si tu veux le dentiste. Quand on demande que Emergency Police or whatever, tu dis seulement que Emergency, c'est tout. Et puis on t'envoie à Eni. Et puis quand on t'envoie à Eni, puis après on te. On te le dentiste est gratuit, le docteur et le médecin est gratuit, je ne pars pas à l'hôpital, moi. Voilà, c'est comme ça. Parce que moi, quand je reviens du Cameroun, je viens avec mes herbes. J'ai mes herbes que moi, j'écrase, je, je, je le roi des herbes, là. Même mes enfants, je, je lave bien, j'écrase, et puis je fais, mes enfants boivent, je bois. Tu connais les herbes? le roi des herbes, non, ça pousse partout, partout. C'est tellement bon. On a bien dit le roi des herbes. Donc ça commande tous les herbes. Tu as n'importe quelle maladie, ça coule dans ton corps, ça te soigne. Voilà, c'est comme ça. Je fais ça, et puis je donne aux enfants, ils boivent, moi-même, je bois. Donc pour ça, 20 ans. 20, 21 ans déjà, en Europe, je ne connais pas mon docteur. Mes enfants ne connaissent pas le docteur. Je sois mes enfants indigènement. Dieu vous a tout donné là-bas au Cameroun. Si j'étais au Cameroun, c'est que l'hôpital ne me voit pas. Voilà. C'est que tout. Je cherche. Je cherche comment les médicaments de ceci, les herbes. De, dès que je suis malade, même là, là, là quand j'ai le... On appelle ça comment le... Les remontées là, ça chauffe ici là, non je parle sur Facebook ça va te manquer les... ça te dit pareil il faut masser et ça passe hein, c'est comme la sorcellerie j'aime les cris naturels c'est ça que je n'aime pas bonjour ma chérie c'est pour ça que je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas les méchantes personnes c'est pas bien la méchanceté n'a jamais payé soit on contamine parce que vous savez tout se contamine non parce que quelqu'un peut venir tu es là tu es toi bien avec ton âme propre la personne vient te contaminer la méchanceté tu commences à détester c'est aussi pareil comme je ne peux pas allumer ma télé maintenant. Je parle bien de quelqu'un. Tu bien... es obligé d'aimer la personne. Parce que je n'ai pas. Parce qu'en en fait, c est... C est... on contamine. La manipulation, on contamine les gens. Donc, mais comment les gens ne peuvent pas contaminer les gens dans la bonté Toujours le mauvais que le mauvais que le mauvais que. Euh, toujours la haine, la haine, la haine. Que dès que la fille entend que. Tu en train de faire le clash avec telle personne et que tu la... La, la preuve en est. Elle supporte où c'est la, la femme, là, la vieille mère, là, Nathalie babale de de, du Canada. Là. Elle la supporte par rapport à sa. Voilà. Avec l'angine. Voilà, c'est l'angine. J'ai fait pareil. Non, je t'ai dit que c'est tout merde. L'angine, là, ça peut me tuer seulement. Je vais même faire comment J'ai moi tapé Facebook. Hein? J'ai seulement dit on appelle ça Hardburn. Donc, vous vous dites à Angine. Je, je lui ai même envoyé la vidéo. Med. Je n'arrivais même pas à boire l'eau. En deux minutes seulement. Donc, il fallait que j'appuie ici. Les deux côtés, non, avec mes deux doigts. Comme j'arrête le téléphone. J'appuie ici, là, comme ça. Mm -hmm. Après, maintenant, là où la douleur est. C'est si la douleur ici, là. Ça veut dire que tu crasses, là. Tu, tu fais comme ça, là. Pendant une seconde. Après, maintenant, tu, tu encore. Tu calcules. Donc, pour, pour être parallèle à la douleur. Derrière le cou, là. À la nuque, là. Tu fais encore comme ça. Après, maintenant, tu, tu respires fort et tu relâches. Après, tu baisses la tête comme ça. Tu fais encore. J'ai dit que l'argile est partie comme la sauce. C'est comme la magie même. Donc, c'est des petits, petits, petits cris comme ça là. Hein? C'est quoi La haine. Que peut la haine, la haine, la haine, la haine. La haine. Hein? La, elle est partie supporter celle au lieu de sa tante parce qu'elle veut toujours être dans la haine. Parce que comme celle est dans la haine, comme que, comme que euh, 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 sa soeur Flo. N'est-ce pas que tu as mangé à Yaoundé avec Flo vous voyez vraiment des démons comme ça, qu on vous dit qu'il faut avoir le, 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 les socs partout sur vous. Hein? Est-ce que ça se Flo là savait que pendant qu'il mangeait là-bas euh, au Cameroun, -là, qu'elle pouvait encore lui faire les problèmes qu'elle m'a fait là C'est des gens, c'est des mercuriers. Quand ils disent qu'elles ont pardonné, que les problèmes sont finis, elles sont plutôt en train de chercher là où elles vont te ramasser pour bien t'écraser, te, te finir. Oui, non. je n'aime pas les gens. Quand quelqu'un dit que j'ai pardonné, il faut pardonner en vrai. Et puis, parce que le pardon. Le pardon d'abord te libère toi-même, ça libère ta conscience. quoi le le. Le corps même n'a pas la paix. Hein? Le corps n'a pas la paix. La tête n'a pas la paix. C'est quoi? Hein? Ah dis donc. Eh, C'est mon, mon bébé. C'est un monsieur aussi qui est dans Facebook es avec une femme là qu'on appelle. quoi elle s'appelle encore comment Chopin. Euh, ou c'est Marie Chopin. Voilà. Elle était, il était copain. Après, ils se sont séparés. Il y a eu des problèmes, problèmes là, un genre, un genre là. Et que je voyais aussi défiler sur Facebook. Maintenant, le problème s'était bien calmé. Après, donc, Lolo a invité la femme sur. Ok, d'accord. Sur La femme. La, la, la femme la, le, Lolo a invité la femme sur son, son truc de TV ou ses TV. Qui de <laughs> chiens? Même qui vit est mieux. <laughs> hey vraiment de Dieu. Y a quand même reste comme ça? Vraiment de Dieu, sa vie le dépasse. Il invente ses trucs. Je sais qu'un mec a inventé, il a inventé Facebook. L'autre a inventé lolo. Il fait, où ce cache la pelote lolo? TV. Ouais, vraiment de Dieu. Oh, non, non. même dans la. <laughs> y <Yeah>, la joye. <laughs> ouais. <rire> T'es même coululou, <laughs> Je savais que je n'allais pas finir ça mais, sans... ouais <laughs> ouais, oui. t'es même coululou, ouais vraiment, je m'excuse, hein. ouais et, et. Ouais, 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 non, mon dieu, c'est comme le pep, les tv qui sont comme les opèbres là qui n'ont plus les, qui n'ont plus, braquata, quand vous dites même les mieux, tv. sam à samsung là. <laughs> vous savez que il faut le cru se prennent au sérieux dans leur télé <laughs> oui <Ouais>. non <laughs> je t'ai dit que le problème était déjà oublié hein le problème était qu'il y a dé, définitivement oublié. TV Kouroulou est venu... <laughs> TV... venu <TV>, au <TV> peuple. <laughs> il y a qui, qui peut venir faire sa publicité là-bas hein? Il y a qui, qui peut venir faire la publicité sur une télé de haine comme ça là Une télé où la plupart des gens qui regardent, regardent par curiosité, mais pourtant ils haïssent la télé. Hein? Pourtant ils haïssent la télé. Hein? Il y a quoi <laughs> TV Mache Dakar Opep, oh, opep, oh, opep oh, Opep, oh, opep, oh, opep oh, Las Market, Las Market ouais. Ah nan Ah, sa fe pa kwa jou, je te ju Nan, me atande un peu euh, Ne me fet pa fini la jounen Malerizman ke jè kamem Jè mwem jè kwe, kwe mon ri Nan, se TV Nkouloulou Non, 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 là, j'ai le genre de TV là, non, cache-toi. Hey. Tu fais TV sur un truc. Tu fais au oh, pep. <laughs> TV en au fait, oh, pep, opa, yop. Qu'est-ce que

C'est toi qui as ce cœur ouvert, c'est toi qui as TV TV, ou c'est TV quoi, la TV au peuple. Et c'est toi encore qui as l'Holofodia. Tu pars sur TV machin, tu veux faire la responsable. Après on te voit sur l'Holofodia en train de faire vraiment la grimace. Donc on te voit faire le sous quartier Tu penses que les gens vont te prendre au sérieux quand tu te poses sur TV TV. Tu es la même personne. Tu n'as pas deux personnes. Donc, ton image s'attache à tout ce que tu fabriques sur Facebook. Si tu as même 10 pages, tu dois attacher une belle image à ces 10 pages. Tu ne peux pas attacher une image un peu semblante, dans le semblant de bonne image, sur un cœur ouvert. Une image un peu semblant de bonne image, sur ta TV, quoi là, au PEP. Et puis, tu parles, tu parles, tu, tu mets la racaille sur Lolofondia. Non, mais attends un peu. C'est ton mur, ça te représente. Tout ce qui est posé là-bas, ça veut dire que c'est passé par toi. Ça veut dire que tu as un Ça veut dire que tout ce qui passe sur ce qui t'appartient, les murs Facebook, hein, hein, ça veut dire que tout ce que tu, qui passe sur tes murs là, hein, ça veut dire que c'est ta responsabilité. Oui, c'est pas pour quelqu'un, c'est tes doigts là, c'est ça qui est écrit, c'est comme ça. C'est toi-même, hein. Voilà, je t'ai dit non. Les gens te regardent par curiosité. Voilà Joe Ball qui dit pas curiosité. Tu sais, les nerfs. Tu cries, tu insultes les gens gratuitement. Les gens ne veulent plus ton genre de truc. Aujourd'hui là, quand vous voyez les vidéos des Chinois, les vidéos des, Ch des Chinois, les vidéos des Indiens, au concret, ils font les vidéos aujourd'hui pour apprendre en quoi aux gens comment se hog, comment s'embrasser, comment se faire des câlins. En fait, on apprend aux gens Comment avoir l'amour du prochain? Mais toi, tu es dans la, les vidéos de haine. Si c'est qu'elle... Hein, vois le petit enfant là qui a faim au Cameroun, que vous appelez ou c'est quoi Toby? Hein? un enfant qui a faim, tu l'amènes où? C'est ton fils, c'est pas, une vieille mère comme toi, tu as l'âge d'amener l'enfant là dans ton, tu as l'âge de mettre, de donner naissance à cet enfant. Tu amènes l'enfant là jusqu'à tu l'encoures. jusqu'à tu pars, jusqu'à tu entres dans un de ces diètes. tu commentes même dans, donc, qu'on lit ton, ton commentaire dans dans le direct d'un enfant pareil on devait plutôt lire que non mon fils arrête moi ça il faut te consacrer à ta vie est-ce que tu n'es pas parti au travail aujourd'hui est-ce que tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui? Après quand il finit le direct, tu l'appelles derrière. Tu dis que mon fils, pourquoi tu fais les directs à l'heure que tes camarades sont à l'école, à l'heure que tes camarades sont au travail. Tu n'as pas le travail. Ok, on peut faire tel genre de commerce. Tu l'envoies tel, tu l'envoies une petite somme d'argent. Tu dis tu peux commencer commerce, par exemple, de friperie. On vend les friperies, là. Je me rappelle, j'étais parti là-bas acheter la friperie pour une maman qui souffre aussi là-bas au Cameroun, que je ne connais même pas, ni d'Adam, ni d'elle. C'est là-bas elle m'avait amené. On appelle la, la plaza, comment là, euh, euh, là où on vend les pommes de terre, là, au, euh, 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 fin rail, les rails, là où il y a les rails, là. C'est là-bas qu'il y a tous les magasins de friperie. Et aujourd'hui, il, il y a les ballots de friperie de 50 000, il y a les ballots de friperie de 150 000, il y a les ballots de friperie de 25 000 même. Il y a les friperies qui sortent de la Corée, c'est les bonnes friperies comme ça. Quand tu sors l'habit ma tante a construit à Coto une grosse maison. Vous avez vu la voiture qu'elle conduit, non Une nouvelle voiture grosse, bien célébrée. Ça, c'est ma tante, celle qui m'a fait grandir, qui m'a élevé depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 15 ans. C'est ma tante là. Ma tante là, comme ça, c'était ça en bain. Donc tout ce qui arrivait, on se disait que ça venait de mer. Ma tante la partait là partait là-bas acheter les ballots de friperie. Elle l'amène ça au pressing, ce qu'elle doit laver elle la met laver. On repasse bien. Les habits de deux deux mille, nous on revendait ça quarante cinq mille. Donc le commerce j'ai vu ça depuis le bas âge. Elle partait dans les laboratoires. Elle prend les glycérines. Maintenant elle amène à la maison. Nous on met dans les bouteilles. La bonne d'aménagé mettait. Elle avait encore deux personnes qu'elle avait employées pour mettre dans les bouteilles. Moi même si comme je... J'aime le travail. Je l'aidais à mettre ça dans les bouteilles et elle revendait. Donc, attends un peu. Il y a beaucoup de petits commerces que tu peux mettre ces petits-enfants-là qui te suivent. Au lieu de partager leur direct, commenter dans leur direct pour les induire dans la haine. Mon frère, hey, tu cherches la nouvelle armée qui va t'accompagner dans la haine. Tu manques toi-même. C'est comme même les enfants-là. Je vous dis, vous, mes élites, vous allez fermer tout leur compte-là. Vous fermez. Si ces enfants-là ne vont pas bien se comporter, on va fermer tout leur compte là. Tu ne peux pas envoyer l'argent à l'enfant pour qu'il aille à l'école. C'est quoi? Une vieille mère comme toi, sa mère là-bas, elle est en train de pleurer que, oh voilà tout l'argent, j'ai fait fuir les beignets toute ma vie pour envoyer mon fils à l'école. Hein? Pour envoyer mon fils à l'école. Voilà le résultat. Mon fils est dans Facebook. Tout le monde me dit qu'on voit mon fils en train d'insulter les gens sur Facebook. Hé, hey! c'est l'enfant de quelqu'un, hein? il faut respecter. Hein? Il faut respecter hein, ma, ma, ma TV au peuple. Il faut respecter. Hein. Voilà. Ils vont dire que wow, c'est mon. Jusqu'à ce que tu voulais que c'est la qualité de choses comme ça que la femme là que Joséphine Bayan devait être copine avec. Elle avait été de dit qu'elle ne te connaît pas, ma part. Mon frère, c'était pour enlever la honte sur elle. Parce que, vrai, vrai, dis que tu connais le genre de personne. C'est la honte. C'est la honte. La... Toi-même, quand tu te regardes, tu regardes ton CV. Toi-même, tu vois que ça donne quoi. Toi-même, tu regardes ton CV, tu vois que ça donne quoi? Ça ne donne pas. Ça donne la honte de dire qu'on te connaît. C'est la honte. Et toi, la mate, je ne suis pas la vie maintenant, ta vie, ta vie tranquille là-bas. Mais sache que si tu connais quelque chose dans l'amour de ce, de ce frère Lambert sache qu'on va te, on va te, on, on va te toucher. Donc, la, ju la justice doit être sur ça. Les élites, je connais que vous savez travailler. Non, allez travailler le tout, c'est en vrai. Donc, ils doivent comprendre qu'on hein, qu a dit non à la justice, qu'on dit que non à l'injustice. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà, le stress, c'est ça. Le stress de la femme, là. Hein? On vous dit qu'aujourd'hui, les gens, tu peux voir quelqu'un physiquement, il est en bonne santé, mais pourtant, dans le mental là. Et comme le noir n'aime pas accepter que son mental est touché. C'est ça le problème. Le blanc, hein, quand ça ne va pas, il te dit, I don't feel good. I walk depression. Non, non, le blanc, il, ne... et il pleut même. Même si c'est un homme avec les muscles, il pleut sa chose. Parce que, il veut soigner le cerveau. Le cerveau et le corps, c'est deux mondes différents. Hein? <rire> <rire> <laughs> ouais, non, attendez un peu. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On est des femmes, on est des... nous sommes des mamans, nous sommes des grandes soeurs, nous sommes même des petites soeurs qui devons impacter même nos grandes soeurs. Pourquoi pas? C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de mal en ça. Ton petit jeu de Facebook là, je te dis que j'avais déjà vu ça depuis. Et maintenant, j'ai dit aux gens, ils vont voir ton jeu. J'ai je dit, tous les directs que tu seras dedans on enregistre et on vient en dépôt. Je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous, que aujourd c'est que dès qu'elle fait un, dès qu'elle entre dans le direct de quelqu'un. Parce que c'est comme ça qu'elle fait, Elle va aller ancrer dans les directs, elle fait, ou bien elle-même, elle -même fait les faces. Ou à des fois, elle n'est pas dans les directs des gens. Elle fait semblant pour qu'après, on va dire que non, on l'a plutôt provoqué. Elle fait les directs et puis, elle entre dans les directs des gens, elle fait, elle fait, elle fait, elle, fait, elle sort. Elle vient, rester reste calme. Elle se calme. Après, maintenant, elle se met, maintenant, sur son mur, Lolo, faut dire, commence à insulter les gens, alors qu'elle veut donner une bonne image sur Coeur ouvert et sur Lolo TV. Mon frère, c'est toujours toi. C'est la même personne. Ça fait que c'est pour ça que tu n'as plus de vue. Ça fait que c'est pour ces raisons que personne ne peut même dire que... Personne ne peut même dire que il va venir dans, ton, dans tes conneries là et, 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 et regarder même tes, tes, tes trucs là. OK. Bon, sur ce, je vous dis bonne journée. Nous devons aller au travail. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci aussi d'avoir partagé. Et restons dans l'amour. Et on doit trouver la cause de la mort de notre frère, si réellement il est décédé. Parce que peut-être nous tous aussi nous paniquons. Mais même s'il n'est pas décédé, ça nous a servi de leçon. Et ça fait en sorte que certaines personnes doivent comprendre que la haine doit s'arrêter. C'est comme ça. Bonne journée.